Bonsoir à toutes et bonsoir à tous qui nous rejoignez ce soir pour un nouveau podcast de DN Discussion. Alors, avant d'entrer dans le détail dans le programme du soir, quelques petites annonces. Déjà, comme vous le voyez sûrement dans le panneau de navigation sur votre droite, présentement, je suis en train de faire le test de l'air. Nous sommes maintenant officiellement affiliés, ça y est, on a techniquement toutes les statistiques et tout depuis 6 semaines, on sera partenaire dans après-demain, à la vitesse où ça continue. Mais ça y est, la paperasse est enfin terminée, nous avons tous les 7 réussi à finir ça et à officialiser les choses avec Twitch. Donc, vous avez dorénavant accès aux points de chaîne qui vous permettront notamment de nous rejoindre lors des dernières discussions si vous avez un avis à donner, que vous voulez échanger avec nous un peu de vive voix. Pour le coût de combien, rappelez-moi, 2000 ? 2000 balles ! 2000 points, 2000. C'est ça. Donc, sachant que un stream, pour ceux qui suivent les campagnes éventuellement, c'est environ 1600 points par stream, donc ça va assez vite si vous suivez un peu la chaîne et que vous voulez nous rejoindre lors des podcasts. Les émoticônes qui ont fait leur arrivée, on vous laisse les découvrir. Le bouton d'abonnement, bien sûr, si vous voulez nous donner une petite pièce pour qu'on s'achète de quoi manger le soir. Avec toi aussi, ça a coupé le chauffage dans la cape. Il fait froid. Oui, mais t'as la carte graphique qui te permet d'avoir un feu derrière toi, alors contente-toi de ça. Il m'a déjà joué à Fortnite. Bref. Après, attends, je vais continuer sur la monnaie de chaîne. Je t'en prie, vas-y, fais donc. Il y a des changements qui risquent d'être faits sur les tarifs. Cependant, pour ceux qui seront subs, vous aurez le droit, du coup, de suggérer des trinkets que vous pourrez nous refourguer en tant que personnage dans des boîtes aux lettres. Du coup, ça fait que si vous voulez nous refiler un doigt de grand-mère ou un ongle incarné, vous pouvez. Vous pouvez. Alors, c'est, par contre, c'est strictement cosmétique. Je vais enrichir sur ce qu'il a dit. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des morceaux de cadavres pour préciser. Sur la campagne du samedi, déjà, la campagne Homebrew, en fait, vous aurez la possibilité de créer des petits trinkets custom, genre une médaille, par exemple, de la compagnie de Kirillia, un peu tout ce que vous voulez. Ça n'a absolument pas d'effet dans la partie, c'est purement esthétique et ça peut vous permettre de faire soit une mauvaise blague à un membre du groupe que vous n'aimez pas, comme lui, soit éventuellement un petit cadeau à un membre du groupe que vous appréciez. Merci énormément déjà à Baphobit et à Yaton Voraz pour la double inscription. Zedback, ça ne compte pas, puisque c'est son propre argent techniquement qu'il est en train de récupérer tout de suite. Mais merci quand même. Il le partage avec nous. Il le partage gentiment avec nous et j'en ferai de même d'ici peu. Le dernier truc, l'inspiration bardique. Vous allez pouvoir donner un D6 aux joueurs en campagne, mais pour ça, on considère que c'est un peu comme le Genki Dama, va falloir s'y mettre à plusieurs. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que plusieurs gens vont pouvoir payer l'inspiration bardique, on n'est pas encore sûr du tarif, donc ça, on ajustera sûrement avec le temps. Et un joueur à la fois pourra rouler un D6 qui aura été donné par le chat, et par nos supporters du coup. Donc ça, c'est encore un truc pour les campagnes. Voilà, voilà. Et sinon, du coup, tu fais le tier 1. Pour l'instant, nous avons le nat 20 puisque nous avons 3 émoticônes. Tier 2, le nat 1. Et à la fin, vous avez du coup en tier 3, et je pense qu'on va les conserver ainsi, des émoticônes par rapport aux personnages de groupe, notamment le Yassad. Le Yassad, aka Yassin Triste, qui était son état général avant d'avoir l'état Yassin Mort. C'est ça. C'est ça. Yassin Mort est faussé d'ailleurs. Ouais. Bon voilà, en tout cas voilà, pour tout ça je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu le samedi, parce que c'est surtout pour le samedi que les points de chaîne vont pouvoir vous être utiles, si vous voulez du coup donner des inspirations aux membres du groupe, leur envoyer des petits objets un peu personnalisés. Ça ce sera pour le samedi, et sinon les participations au podcast du mercredi soir. En parlant du podcast du mercredi soir, le double sujet de ce soir, je pense qu'il va être assez court, parce que par avance, je pense qu'on s'excuse, on est une bonne moitié, là, des présents, à être dans le décès le plus total. Et je sais que, par exemple, Octosis, moi-même, Flune également, je crois, allons faire de notre mieux pour animer. Je regarde, c'est un peu l'habitude, hein. La séance de ce soir. Ouais. Après, j'approche de mes examens, j'ai pas mal de trucs à gérer. En l'occurrence, ouais. Aujourd'hui, c'est faire. Regarde, c'est un peu le cadavre ambulant de du groupe. Un peu comme Tailin. Un peu comme Tailin, ouais, je vais le faire.
Bref, sinon, alors, pour ce soir, ce qu'on vous propose, deux sujets qui sont un peu moins longs, hein, je pense, que le sujet précédent sur la mort ou le sujet d'avant sur les antagonistes, un sujet consacré à, comment dire, au roleplay de manière générale, à la description et aux règles. Deux branches, pour être plus précis. Premier sujet de la soirée où on va essayer de discuter, alors de à partir de quand est-ce qu'on fait des entorses aux règles en partie, à partir de quand on peut se dire que l'action qui est proposée par le joueur est suffisamment intéressante pour qu'on mette le PHB un peu de côté. Je crois que Rectosis voulait compléter aussi parce que c'est un sujet qu'il avait proposé, donc il me semble que si tu as d'autres visions, c'est bon de les dire. C'est globalement ça, c'est à partir de quel moment on fait rule of fun et on commence à customiser les interactions et les actions qui vont se préparer. Et à partir de quel moment on dit bon, là je suis désolé, j'ai créé un boss pendant 4 heures, tu vas pas me le one shot dans un coin de rue. Et tu fermes ta gueule. Voilà. Et après, pour l'équipe des descriptions, ça c'est toi qui l'as proposé, donc je te laisse enrichir le sujet. Et deuxième point, dont on parlera vers la fin de la soirée, la question des descriptions, et notamment des équilibres entre descriptions. C'est-à-dire que la question m'était venue notamment de la lecture de Strahd, parce que je sais que vous avez alors, notamment le chapitre de Ravenloft, c'est-à-dire le château du comte Strahd von Sarovitch, qui fait plus de 50 pages dans le bouquin. Donc quelque chose comme 10 pages de cryptes, puisque dans chacune des cryptes, y compris celles qui sont totalement vides dans Château de Ravenloft, vous avez un paragraphe ou deux de description. Et donc, essayer de réfléchir à jusqu'où doit aller un MJ, en fait, aussi bien lorsqu'il écrit un scénario que lorsqu'il réalise sa partie. À quel point est-ce qu'il faut être exhaustif, est-ce qu'il faut être complet dans ce qu'on décrit? Et à quel point est-ce qu'on peut laisser justement l'imagination des joueurs faire un peu le travail et remplir les blancs qu'on va leur laisser. Sur ce, je vous propose de nous lancer sur la discussion de ce soir. J'ai un peu crop la caméra de Chagar. Tac. Alors, donc, premier sujet pour commencer. À partir de quand est-ce que vous jetez votre PHB par la fenêtre ? Au nom du fun de la partie, au nom de l'originalité d'une action. À partir de quand est-ce que on peut, comment dire, faire une entorse sciemment aux règles, hein. C'est pas qu'on ne connaît pas les règles, c'est qu'on sait que dans tel ou tel cas, on devrait agir comme ça, mais on va choisir de ne pas l'appliquer au nom du plaisir de toute la table. Quel cadre vous pourriez voir pour ça, vous, déjà? Alors, déjà, le premier cadre que j'ai, c'est la préparation. C'est le cas d'école de la différence entre un MJ qui va jouer en règle pour le fun et un MJ qui va jouer en règle très standard, entre guillemets trop standard, parfois trop rigide. C'est le cas de l'assassin. L'assassin, dans D&D, est une classe qui peut faire plein de trucs si tu lui laisses une semaine de préparation. Bon, personne n'a une semaine à se tourner les pouces en général, donc déjà, le trois quarts du temps, sa classe va se faire foutre. Mais en plus de ça, il y a un truc qui, normalement, ta classe est faite pour one shot. D'ailleurs, lorsque tu surprends quelqu'un, t'es censé crit. On va prendre dans cet exemple d'assassin le cas extrême qui est, ça fait une semaine que tu prépares un assassinat sur un noble. Pour ça, ouais, tu connais exactement le balcon où tu dois aller, le déplacement des gardes, tu sais à quel moment le mec va lever son verre, ta ligne de mire est claire, la lune est belle. Il n'y a aucun obstacle sur ta route, tu tires. Ouais. Et là, t'as deux MJ. T'as le premier qui dit, bah c'est un tour de surprise, il t'a pas vu, donc tu roules avec avantage. Tu doubles Nat 1, bah tu t'es tiré dans le pied, tu commences à hurler, l'alerte est donnée. Ouais. Et t'as le deuxième MJ qui dit, ok, tu tires ton truc, ça lui traverse la gorge, le mec est en sang. Toute la tendance est choquée. Ça t'a pris une semaine de préparation où t'as fait chaque détail du plan. T'as chopé des fausses identités avec tes potes, peut-être même certains d'entre eux sont transmis parmi les gardes pour te créer cette fenêtre d'ouverture, ouais, pour l'attaque. Des distractions sont peut-être même eu lieu. Donc t'as toute cette planification autour qui fait que le MJ dit, ok, vous avez suffisamment bossé pour ce truc-là pour que je vous le donne gratos, y'a pas besoin de faire de rôle, le mec meurt. Et déjà, ça c'est une première fenêtre d'ouverture. La deuxième fenêtre d'ouverture, ça va être plutôt, j'ai envie de faire une action complètement débile avec mon pote parce qu'on est bourré, qu'il est 3h du mat et que ça fait 8h qu'on roleplay. J'ai envie de faire du surf de nains.
avec un bouclier d'épines et on va slide le long d'une montagne en espérant se faire comme un char panzer pendant que moi je fais yaou avec mon épée au-dessus en espérant que ça touche des gens. Mm. Cette action n'est pas du tout prévue par le PLHB, elle n'existe pas, c'est comme mettre un cadavre sur un cheval. Le fameux coup du cadavre sur le cheval. Action bonus, voilà. Action gratuite, action. C'est ça. Cette action n'existe pas, mais elle me paraît tellement fun. Si vous prenez toutes les deux votre action, je vous fais glisser 20, je vous fais vous déplacer du coup en réaction, et je vous fais prendre des dégâts. Ou bien cette action n'est pas prévue. Alors tu vas sauter sur ton pote, vous allez, lui il va pouvoir utiliser son déplacement au prochain tour et ça va plutôt être en mode hit porte. Et toi t'essaies de prendre des attaques et tu seras limité à ton nombre d'attaques par action. Mm. Voilà. Alors, de manière générale, ça fait penser aussi au coup de... Alors, c'est dommage que Trusuka soit pas là, mais le fameux ogre à deux têtes qu'il avait joué avec... Qui, c'était avec Zedbag, non? Ou avec son frère? Ouais, c'était avec moi, ouais. C'était avec toi, ok. Le fameux ogre à deux têtes, parce que grosso modo, dans un one-shot, ils avaient décidé chacun de jouer un ogre. Et du coup, pour, entre guillemets, simplifier les choses et rajouter un peu plus de chaos dans la soupe, plutôt que d'avoir deux ogres séparés, on avait un seul ogre à deux têtes qui avait... chaque tête, du coup, avait son tour à part entière. Qui se déplaçait du coup en même temps. Ça, par exemple, c'est typiquement un cas de figure qui est absolument pas pris en compte par le PHB, comme le cas des manœuvres dont parlait Rectosis juste avant. Et c'est, je pense, le bon moment pour dire normalement, d'après le PHB, tu peux pas, et le cas de figure est pas prévu, mais on va essayer d'improviser un truc un peu custom sur le moment parce que l'idée est marrante, en fait. Ouais. Et dans ces cas-là, personnellement, je suis plutôt d'avis de... sur le moment de faire ce qui avantage le plus le joueur, c'est-à-dire que par exemple pour le cas de poser Hyacinthe sur le cheval, le cadavre de Hyacinthe sur le cheval samedi dernier, on avait fini par dire que c'était quelque chose qu'il avait pu faire dans la foulée au moment de prendre le corps qu'il avait transvasé immédiatement sur la monture. Ce qui est pareil, un cas de figure pas du tout pris en compte par le PHB, qu'on aurait très bien pu rouler de manière une action pour prendre le corps et encore une action pour le poser sur le cheval. Mais histoire de... valoriser la démarche, de favoriser le côté aussi un peu épique de la situation de Goledin qui va chercher le cadavre de son pote au milieu de l'armée ennemie sur la colline, le chercher en cheval pour s'enfuir avec son corps et lui donner un enterrement. Rectosis avait proposé en fait qu'on en fasse qu'une seule action, et je pense que c'était la bonne chose à faire parce que c'est vrai que c'est ce qui favorise le plus ce type de RP un peu novateur qui sort des règles, qui sort du cadre du PHB, mais qui par la même occasion va aussi donner le plus d'unique, je pense, à une partie. Puisque pour ce qui est d'appliquer l'alpha et l'oméga du PHB, ça, c'est ce qu'on peut voir à toutes les tables, finalement. Mais je pense que les tables qui vont justement être capables d'en sortir à bon escient de temps à autre, c'est des tables qui vont être peut-être un peu plus rares, et sont peut-être des moments qui laisseront un peu plus de souvenirs. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Moi, je pense que c'est important de temps en temps de contourner les règles, que ce soit pour le fun, pour le style, ou même pour le côté pratique. Ouais. Je pense que c'est faut vraiment le faire de temps en temps. Après, la limite, c'est un peu compliqué à voir. Ça dépend vraiment de la table. Sur un one shot, en règle générale, j'aurais tendance à dire beaucoup plus permissif. Surtout quand c'est un one shot entre potes à une soirée. Je veux dire, c'est encore Hyacinthe pour le coup qui masterisait, et Hyacinthe n'est pas là. Enfin, Trisugal du coup, Hyacinthe est mort. Donc Trisugal, et qui avait. Il y en avait un qui voulait faire une action à la con, il avait roll un 3 ou quelque chose comme ça, et il y a Trisugal qui a gueulé: c'est pas un 3, c'est un 30! Tu réussis ton action! il était trop à fond dedans, et tout le monde était à fond dedans, et c'était le move à faire pour le fun, je pense. Il y a des fois, comme ça, tu peux juste jeter la règle juste parce que l'action est beaucoup trop cool. Mais j'aurais tendance à faire ça que sur des one-shots, parce que sur des campagnes, j'ai tendance à viser un peu plus de proches aux règles. Deux choses que je dirais. Déjà, dans tous les cas, pour rebondir un peu sur ce que disait Cobra là, tout de suite, je pense que c'est quelque chose dont il faut pas abuser, même, et pour répondre aussi un peu à chacun en même temps, sur des tables qui sont plutôt portées à ça, je pense que si l'entorse à la règle cesse d'être une exception, ça va juste devenir le chaos en fait, parce qu'à chaque fois, il faudra dire pourquoi à tel moment
tu n'as pas respecté la règle avec ce joueur-là. Pourquoi est-ce que maintenant tu veux la respecter avec moi? Et ça va devenir vraiment, je pense, un peu un combat joueur-MJ. Parce que si c'est plus vraiment la chose que tu fais exceptionnellement, parce que, ah tiens, vraiment, là, ça fait 3 séances qu'on n'avait pas eu d'action comme ça, et là, c'est vraiment très très stylé. Donc, tu sais quoi, on va mettre ça de côté, et on va faire en sorte que ton action réussisse automatiquement, ou que tu puisses le faire en action gratuite pour te permettre de sprinter derrière au lieu de le faire en action. Si ça, ça cesse d'être exceptionnel, en fait, tu casses du coup immédiatement le cadre des règles, et c'est comme si tu te retrouvais à une table où t'as plus de règles, en fait, finalement. Alors, je pense que, comme beaucoup de choses, on peut dire, il faut pas abuser des bonnes choses. C'est-à-dire que c'est fun, l'entorse à la règle exceptionnelle, justement parce qu'elle est exceptionnelle. En gros, je pense que c'est ça que tu veux dire, et on est totalement d'accord là-dessus. Il faut que ce soit la petite rareté, c'est la petite fraise qu'on donne à son joueur de temps en temps, quoi. Mais si tu manges trop de fraises, ben t'as pas le ventre, en fait. Ouais, non, ça oui, c'est sûr. Autant pas prendre un peu plus. Et ouais, un peu. Autre chose également que je voulais ajouter, qui rejoint un peu ce que disait Rectosis au début, sur la préparation. Je suis assez partisan de mon côté de toutes les réussites automatiques qui sont en fait le fruit de la logique. Donc, d'une préparation un peu longue, ou au contraire, d'une action qui peut être décidée sur le moment, mais qui n'a pas de raison d'échouer. Par exemple, je suis totalement contre l'idée souvent de demander un jet à un joueur pour trouver quelque chose sur un corps, par exemple. Trouver par exemple, une lettre ou une bague sur un doigt, qui demande à fouiller le corps, il n'y a plus d'ennemis dans la pièce, il n'y a plus d'ennemis tout autour, il peut également y passer une heure s'il veut. Lui demander de rouler pour ça, au risque qu'il rate et qu'il ne trouve pas une bague en or sur l'index, sachant que c'est pas quelque chose que tu peux manquer normalement d'un point de vue logique, sauf si en fait ton personnage est aveugle et qu'il s'en est jamais rendu compte. C'est quelque chose que je vais typiquement dire, tu réussis automatiquement. Même chose, un personnage qui est à la fin d'un combat, il n'y a plus de pression. Il y a quelqu'un qui est inconscient au sol en train de faire des death saves, et ton personnage a par exemple une formation d'universitaire, ou de noble, ou de militaire, un petit parcours de médecine. Typiquement, je fais pas rouler pour le jet de médecine, je considère que t'es pas en stress, tu connais les gestes qui sauvent. Il n'y a aucune raison que le mec, tu passes littéralement 3 tours à essayer de le stabiliser sans pouvoir y arriver et qu'il meure, en fait. Je pense que la réussite automatique, ça peut être un bon truc. Je pense que c'est un bon exemple sur cette question, justement, de quand contourner les règles pour rendre la partie plus fluide, pour récompenser le joueur également. Et pour récompenser aussi les backgrounds et les RP. Il y a Baphobit qui dit dans le chat, dans une campagne, il faut faire attention à la réutilisabilité de l'action. Ouais. Si tu autorises une entièrement fois, les joueurs vont s'attendre à pouvoir le refaire à tout moment. C'est ça. Pour ça que... Ouais, vas-y, tu voulais répondre peut-être tout de suite, Cobra, dessus. Vous avez bug. C'est que je voulais entendre. Allez-y. C'est vrai que l'occasion que je la ferme, donc profitez-en. Ok, très bien. Non, moi, c'était pour revenir aussi avant sur un point qui avait été dit avant. Moi, je suis pour aussi, dans les campagnes, on va dire, dans les OS normaux, de effectivement énormément limiter l'utilisation, enfin, la sortie des règles. Mais il y a tout autre type de séance, qui est plus la séance IRL, où t'es rassemblé entre potes, où clairement, en fait, t'es en soirée et t'es pas là pour la frustration, t'es là vraiment pour un peu du plaisir immédiat, où t'es en train de boire à côté, t'es pas du tout concentré sur le jeu. Ouais. C'est le genre de séance où je comprends tout à fait que limite la moitié des jets sont pas faits, c'est des jets normaux et que du coup, t'es limite plus là pour l'histoire et pour l'ambiance. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où les règles ne servent plus à rien parce que t'as pas besoin de structure parce que du coup, c'est plus vraiment du D&D, même si ça reste ça reste du jeu de rôle, quoi. Et les drills qui fait les bugs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment une histoire de ratio. Vas-y. Il y a vraiment une histoire de ratio entre enjeu de l'action et enjeu du brisage de. De brisure de continuité, je vais m'expliquer. Ce qui est important dans ce genre d'action, c'est que pourquoi on l'a fait en général ? Pour éviter que la continuité soit brisée, qu'il y a quelque chose qui allait apparemment dans une certaine direction se retrouve par des mécaniques, par des règles ou par des dés, soudainement, et avec une absence de logique, brisée. Derrière, il y a aussi le coup de l'enjeu, c'est-à-dire que si, c'est comme Directosis, c'était l'enjeu initial de Directosis sur les combats de boss.
Si, genre, tu es en mesure de tuer ton bébé EG par une action qui est certes stylée, qui va dans la continuité de ce que tu veux, mais que t'es au niveau 1 et que c'est le bébé EG du niveau 15, bah même si ça aurait été stylé, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc il y a vraiment cette notion de ratio entre à quel point tu veux pas briser la continuité et à quel point également l'enjeu derrière est important. Si par exemple c'est convaincre un tavernier de ne pas te faire payer la chambre le soir, ouais, ça va pas. Et que t'as fait un très bon argumentaire et t'as fait une bonne musique, ouais, y a pas de jet. Par contre, si c'est pour demander à un marchand, après un bon baratinage, certes, de t'accorder l'objet légendaire qui est vraiment ultime dans ta campagne. Bien sûr. Il y a l'enjeu inverse aussi par rapport à l'entorse des règles. L'exemple de l'assassinat, c'est pareil, c'est la même histoire d'enjeu, sauf que pour le coup, c'est pas. Tu vas laisser passer. L'enjeu est important, mais tu vas laisser passer parce que préparation, parce qu'il y a un chemin. Et ouais. Pour le coup, c'est à peu près la même histoire. Alors, je vais dire deux choses par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, merci pour le follow, This is the Jojo Ref. Et dans un deuxième temps. Les règles de manière générale, pourquoi on les applique à une table en fait ? C'est pas simplement dans le but d'appliquer la Sainte Bible qui a été écrite par Jésus Crawford, même si c'est en partie le but. Oh. Putain, Baphobie, tu déconnes ? Quelqu'un arrête cet homme, s'il vous plaît. Oh, mais. On t'aime, bro. Bon, attends, je vais devoir le ban avec tout l'amour du monde. pour l'empêcher de continuer. Fais gaffe, pas donner trop d'argent non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est gentil, hein. Non, parce qu'après, on va devoir s'endetter en termes de café à vie avec toi, et dans les circonstances actuelles, on va avoir du mal à t'inviter au resto. Donc, mais merci en tout cas, normalement, Baphobite, pour les 3 abonnements qui ont été offerts. Et Baphobite, ne t'inquiète pas si tu as besoin de moi pour des conseils sur le MJ. Quand tu veux, tu m'appelles, ce que tu viens de faire. Je prends tout le temps que tu veux, mon amour de Foster. Même chose. Même chose, tu ne nous déranges jamais. Alors, qu'est-ce que je disais avant qu'il me perturbe Avant qu'il te perturbe, la sainte règle de Crawford, oui, je dois sortir toutes les règles. Je dois même aller chercher les tweets pour justifier qu'au moins, il y a peut-être plus de chances que je sois proche du rule as intended en plus. As intended, du rail que du rôle. Alors parce que ça n'existe pas dans le sac. Oui, 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 bref. Et que j'ai besoin bref. De ma sécurité. Ferme ta gueule. Ça y est, je l'ai dit. Voilà. Je lui ai dit. Disons qu'en fait, de temps en temps, quand il y a des règles qui sont un peu floues, on a certains débats sur l'opinion de Crawford. Il est peut ressortir lors de dignes discussions. Voilà, quoi, il est fatigué. Ça faisait 3 mois que je voulais lui sortir. Non, bref, blague à part. Blague à part, oui. Pourquoi, en fait, de manière générale, on applique les règles ? Pourquoi est-ce que les vieux MJ conseillent toujours aux nouveaux MJ, même si c'est pour jouer en soirée ou pour jouer une fois tous les 2 mois, n'est-ce pas, chacun ? De apprendre les règles. Le but des règles, en fait, c'est avant tout... Tu tires à balles réelles au milieu d'un café de discussion. Écoute, la semaine dernière, c'était toi. Je prends la relève. Très bien. Je fais des cauchemars la nuit. Où on me reproche de ne pas continuer ma campagne. Je vous jure, je fais des cauchemars. C'est pas une blague. Ah mon dieu, on va devoir faire appel à la médecine du travail. Bref. Pourquoi on applique les règles ? Parce que, en fait, le but, c'est de fluidifier la partie, c'est de rendre les choses, en fait, le plus simple possible. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on calcule si Gweledin peut ou pas monter sur son cheval de guerre d'Ezian, pas encore volé, mais qui va pas tarder à l'être en plein milieu du combat ? Parce que c'est écrit dans le bouquin que si t'es à côté et que t'as la moitié de ton déplacement, tu montes dessus. Vian. Et du coup, on applique ça sur tous les Gweledin qui veulent monter sur tous les chevaux d'Ezian qui n'ont pas encore été volés mais n'ont pas tardé à l'être. Et ça rend l'action fluide, rapide, simple, question, réponse, problème, solution. Il y a certains cas où justement, appliquer les règles de manière stricte, je pense que ça va faire le contraire de ça. C'est-à-dire,
rendre l'action moins fluide. Et c'est ce que disait Rectosis pour reprendre la question de l'assassinat qui est préparé depuis un mois sur un noble dont on a étudié les manoirs, dont on s'est procuré les plans, on connaît les chemins qu'empruntent ses gardes, l'heure à laquelle ses gardes sont relevés, à quel endroit ils se relèvent, à quel moment le mec va aller fumer sa pipe sur son balcon et aura et le donnera un angle de tir à ton pote arbalétrier qui est posté sur le toit de la mairie en face. À partir du moment où tu commences à rouler des jets de stealth pour tout ça, à rouler des jets de perception pour que l'arbalétrier voit le mec approcher du balcon, à rouler un tir, en fait, à chaque fois, tu vas casser la fluidité de ton action, et à force de rajouter des étapes, de demander des jets, de demander des actions, des précisions, et de te référer au PHB, parce que plus les actions vont être précises, plus ça va être des actions un peu originales, et moins les MJ vont bien connaître les règles qui s'appliquent là-dessus, plus ils vont devoir du coup aller consulter le PHB, AD&D, D&D Beyond, creuser dans l'historique des tweets de Crawford. Et moins ton action, elle va être fluide. Ne rigole pas, Chagar, il le fait de temps en temps, il est drill. On peut passer 3 heures dessus. T'es un grand malade. Après, on fait souvent après les séances, le piochage dans les tweets de Crawford. C'est mec, vrai. Je l'ai fait une fois après la séance pour la question du coup, on va monter. Je l'ai fait. Ouais. Et là, ça va. Là, je veux dire, c'est, tu essaies de regarder pour, les raisons pour lesquelles des gens ont préféré appliquer telle règle et ont pensé que les règles devaient être interprétées de cette manière. C'est pas pour autant que tu vas l'apprendre pour toi, mais ça permet au moins d'avoir, comment dire, la référence, l'état de pensée, et toi t'en inspirer. Mais bon, c'est pas notre sujet. C'est différent de notre sujet actuel qui est vraiment sur l'instant, quand t'as un truc. Qui est pas écrit ou qui devrait pas pouvoir être réalisé, est-ce que tu l'autorises? Alors moi je peux situationnellement autoriser des règles interdites entre guillemets, par exemple sous circonstances de Nat 20, où c'est cohérent dans la narration. C'est cohérent dans la fluidité de l'action, c'est cohérent pour ce que tu veux faire. Ou alors t'as juste envie que tes gars survivent, ce qui peut arriver à un MJ. Hein. Ce que j'allais dire, t'as le cas de l'action. En fait, le cas du moment où tu vas tweak, tordre un peu les règles pour sauver une action que, que tout le monde trouve particulièrement stylée et que personne ne veut voir à choix à la table. Ou sauver une séance si tu sens que t'as tes PJ qui vont se faire tuer ou que ça va TPK. Et... je vais renvoyer la balle à droite de l'écran, puisque je me souviens, Rectosis, qu'on a un cas de combat contre des kobolds, où il y a un lancer de dague, je crois, en Nat 1, de la part d'un PJ, qui a one-shot un des ennemis. Ouais, parce qu'on est... Non, lancer le javelot, voilà, lancer le javelot. Lancer le javelot, parce qu'en fait, il y avait un tellement gros paquet de kobolds que je me suis dit... Bon, tu sais quoi, bon, alors tout a foiré. Alors déjà, avant qu'on me parle du paquet de kobolds, je tiens à dire qu'ils ont décidé d'utiliser comme éclaireur le paladin gnome qui ne voyait pas dans le noir. On sait bien, mais bref, c'est pas la question de ce soir. Voilà, donc, c'est des circonstances de merde, une séquence de merde s'enchaîne. Moi, j'ai regroupé les ennemis que j'avais sur la map parce que ça fait 10 tours qu'ils les attendent. Les kobolds sont là et je dis, putain, tu sais quoi, ton lancer de javelot, il y a tellement de putains de kobolds en face, c'est tellement la merde actuellement. J'autorise à ce que ton javelot touche quand même un gars, ce sera juste pas le bon. Et le kobold meurt. Et le kobold meurt sur le coup. Donc là, typiquement, c'est vraiment le moment où, en fait, tu fais un truc qui est... C'est là-bas qui est pas dans les règles, parce que jusqu'à présent, on parlait du truc qui était pas dans les règles. Là, c'est un truc qui est vraiment contraire aux règles, qui disent que normalement, si tu fais un Nat 20, ton action rate, quoi qu'il arrive. Et ouais, là, en fait, non seulement elle réussit pas sur l'ennemi que tu vises, mais elle réussit même au point d'instakill un ennemi sans faire rouler de dead dommage. Donc là, on a clairement une action qui fait exactement le contraire de ce que stipulent les règles. Bah, dans quel but, du coup, Recto? Je vais vous expliquer toi. Ah non, mais dans le but de sauver le combat. C'est comme quand ton colosse s'enrage et décide de taper dans un caillou plutôt que sur un goulet à terre. Exactement. C'est très gentil. Exactement. Voilà. Et ça, tu le fais situationnellement. C'est-à-dire que il y a des moments où tu te dis... Ouais, non, là, mes PJ, c'est pas juste un manque de rôle, c'est vraiment que c'est des gros cons et qu'ils ont fait que de la merde. Genre, ouais, t'as qui en parrain de la mafia au niveau 3? Par exemple, tu vois, genre... au hasard. Au hasard... C'était pas cet aïe à tout le temps. Aller à la queue le un par un face à un dragon bleu que tu sais à l'intérieur parce que tout le monde pense qu'il peut le soloter, tu vois. Bref, des trucs absurdes.
Tu sais que ton perso va mourir quand ça va t'arriver. Et là, ton MJ, il peut pas dire « Ouais, non, non, il va t'épargner parce que scénarium. » Non, non, parce que là, il n'y a plus d'intérêt à jouer à D&D, ton perso est immortel. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. Par contre, tu vois que tes PJ ont un peu de malchance, que le combat, il est ajusté à l'équilibrage, vraiment au poil de cul. Qu'en plus, il y a eu une ou deux actions, mais pas des péchés monstrueux. Tu dis, bon, allez, on va essayer de rattraper le coup comme on peut avec les dés qu'on a, quoi. C'est cette capacité de filer des avantages pour certains trucs. Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi, il y a pas très longtemps. Ou d'oublier une attaque d'opportunité, par exemple. Mais ça, en vrai, ça, je pense que ça... De ce que vous dites, en fait, ça rentre, l'entente sur règle, dans les avantages en fait, que le MJ fait avec ses joueurs si il y a une bonne dynamique joueur-MJ et que le MJ veut les aider, en fait. Mais normalement, il y a toujours une... Enfin, idéalement, enfin... Alors, si c'est une histoire de MJ contre joueur, c'est déjà qu'il y a un problème à l'origine. Pas forcément. Tu peux ne pas avoir une relation MJ contre joueur et, comme disait Rectosis, bah avoir tes joueurs qui ont globalement mal géré, qui sont mal placés dans le combat, qui auraient pas dû le prendre en premier lieu, voilà, qui ont fait telle erreur ou telle erreur ou telle erreur. Et là, le MJ fait qu'appliquer, via les règles, des conséquences, peut-être létales, aux actions des joueurs et aux erreurs des joueurs. Mais ça, t'es pas du tout dans un cas joueur contre MJ. Je pense que tu peux très bien aller tuer des joueurs en tant que MJ sans... et avoir une très très bonne relation avec tes PJ, en fait. Parce qu'il y a eu des erreurs et que dans ce cas-là, bah, tu dois juste appliquer les conséquences aux erreurs qui vont se faire naturellement en appliquant les règles. Parce que les règles, c'est aussi un moyen de se protéger un peu en tant que MJ en ayant quelque chose de solide sur lequel reposer. Tu vas pas tuer tel ou tel joueur parce que tu l'aimes pas ou parce qu'il y a une tension, mais parce que voilà, les règles disent que si tu fais ça, bah... Il se passe ça, tu prends l'attaque de réaction. Si tu prends l'attaque de réaction, tu tombes à 0 PV. Tu tombes à 0 PV, tu tombes au sol. Tu tombes au sol, tu commences à faire tes défsets, t'auras 3, tu meurs. Il y a besoin aussi de ces règles-là. Mais inversement, si t'as tes joueurs qui, bah du coup, comme disait Recto, ils ont juste mal roulé. Ou ils se sont dit, ah ouais, ça va être marrant, on va tout jouer un paladin à la con. Pour affronter 50 kobolds. Et ils ont pas de spell, et ils ont rien. Et donc, de base, c'est un peu la merde. Et qu'en plus de ça, ils roulent mal. Et que toi, tu roules bien. Et que tes joueurs, ils jouent bien. C'est un peu comme, bah, par exemple, ce qui s'était passé avec notamment Gouledine samedi dernier, quand il essaie de sauver un peu la situation, lui tout seul, littéralement seul au monde, contre toute la planète. Il joue bien ses placements, il joue bien ses actions, notamment de désengagement, il joue bien ses positionnements, il sait quand avancer, quand reculer, quel ennemi viser, à quel moment, avec quelle attaque. Là, les dés étaient globalement avec lui. Parce que, globalement, les dés sont avec Gouledine, souvent. Mais si il avait vraiment eu tous les dés pourris du monde, admettons à la Kirillia, qui peut pas tirer deux fois sans se tirer deux fois dans le pied. Ou à Taïlin aussi, ça compte aussi, Taïlin. Ou à la Taïlin. Mais qui fait moins d'échecs critiques, Taïlin, il est juste globalement curse, il a juste le mauvais oeil. Je pense que l'arbalète de Kirillia, il y a une partie en fait, il y a une partie de l'arbalète qui ne tire pas devant, mais qui tire juste vers le pied de base. Qui tire juste vers le bas, en fait, mec, c'est possible. Si, elle tire devant, par contre, elle a... Avec une sorte de cloche latérale. C'est même pas ça. Non, elle est aiming pour tous les healers. C'est des healers de Kirillia qui étaient devant. La flèche va faire un détour pour venir te voir. C'est... Bah là, ça contourne l'arbre pour te faire. Kirillia, elle a littéralement pris une sous-classe de sniper de Team Fortress, en fait. C'est un mélange de sniper et d'espion, c'est-à-dire que... penses qu'elle est dans ton com et elle te plante dans le dos. Exactement ça. Après, ce qui correspond assez bien à son RP et à l'histoire des aigles d'argent, en fait, de manière générale. C'est vrai, en plus, c'est terriblement vrai. C'est terrible. Mais ouais, bref, pour en revenir à la discussion... Ouais, dans ces cas-là, t'as un joueur qui est en plus tout seul, qui joue bien, tu vois, vraiment bien. Admettons que la situation est juste trop défavorable, ou bah malchance, il a mal roulé toute la soirée. En tant que MJ, tu peux mettre ça au sens de, au niveau des récompenses à tes joueurs, en fait. Petite entorse aux règles, disant, ah, allez, vas-y, lui, il va oublier son attaque d'opportunité, ou alors, lui, il va, en fait, avancer jusque-là et pas jusque-là, ou alors, tiens... Lui va faire plutôt ça ou plutôt ça, ou lui, j'ai pas lui donné son avantage alors qu'il est en tenaille. Ouais, genre quand il y a les cavaliers qui étaient partis pour foncer, et en fait, on va remettre bien la formation et tout. Ah non, ils ont juste foncé, même pas en formation. Ah si, ça, pour le coup, je l'ai vraiment. Ils étaient déjà en formation quand ils sont arrivés. Ils vont,
En gros, ils n'avaient pas perdu la formation. C'est ça, ils n'avaient pas perdu la formation. Mais ouais, ça fait partie, je pense, juste des récompenses que tu peux donner à tes joueurs, comme en fait quand tu donnes un avantage ou que tu choisis de ne pas faire rouler une action, parce que c'était l'exemple que donnait Recto au début de la discussion tout à l'heure. Tu juges que l'action, elle a tellement de chances de réussir, tu l'as super bien RP, ton personnage a toutes les raisons de la réussir en raison de son expérience, tu fais pas rouler, tu considères que ça a réussi automatiquement. Après, ça c'est pas exactement le sujet de ce soir, mais c'est le cas opposé. Il y a des gens, si leur PJ meurt, il meurt avec. Ah oui. Tu perds le jeu. Oui. Et moi, je connais un MJ qui, pour le coup, n'est pas Eledril, Gwedin, ou Shagar, ou même Clune, ou même Cobra, parce que tout le monde dit MJ ici. Qui avait un joueur comme ça ? Et qui, en fait, lui, il joue avec un groupe d'amis qui se connaissent depuis le collège. Et parmi eux, il y a un gars, son PJ ne doit jamais mourir. Tous les autres PJ étaient ok pour reroll, et le problème c'est que c'est vraiment la farandole, c'est-à-dire qu'il y en a un qui quitte, tout le monde quitte. C'est donc il y a cette forme de prise d'otage entre le MJ et le joueur. Et du coup, par le pouvoir du scénarium, il avait magiquement des cristaux sur lui qui prenaient du coup du loot de fin de quête, enfin qui déduisait les réincarnations du loot de fin de quête. Ce qui fait que ça a pénalisé tout le monde, et ça leur a pris un bon, je crois, un an, sachant que c'était le seul PJ qui avait survécu à toute l'histoire. Ça leur a pris un an pour comprendre. Enfin, ça lui a pris un an pour comprendre que son personnage devait pouvoir mourir puisque tous les autres étaient déjà morts et que ça faisait partie de l'aventure. Mais pendant un an, ce personnage-là, il l'aidait plus par nécessité que par envie, quoi. Mmh. Ce qui est pas sain. Mais bon, on fait avec l'étape qu'on a. C'est bien vrai. Après, ça c'est vrai, alors ça c'est très annexe, mais là t'as le côté PJ à PJ. Mais du coup, moi, campagne 1, j'ai eu l'occasion d'avoir ce cas de MJ à PJ. Et c'est vrai que dans ces cas-là, justement, est-ce que tu fais des entorses aux règles? Si tu vois que le mec a fait une erreur et qu'il est parti pour crever, qu'il a pas fait genre une très très grosse erreur, qu'il a juste fait une erreur, mais que ça plus quelques mal rolls, ça va tuer le perso. Comment vous réagissez? Et je m'adresse ici à tout le monde, parce que tout le monde ici. Ah, une petite expérience de MJ ou une grosse expérience de MJ. Je vais donner ma solution. Début de campagne, tu prépares un reroll. Par sécurité. Mais en supposant que ton joueur n'accepte pas la mort, on va dire. En supposant qu'il ait aucune envie de reroll et que si il se retrouvait à devoir reroll, il arrêterait la campagne, en gros. C'est ça. Oui. Je t'avouerais que j'ai pas encore le cas. Mais dans ces cas-là, vous faites quoi? Même si, à part ça, le joueur est pas toxique, tu vois. Si, à part ce côté-là, il est plutôt agréable, est-ce que c'est « j'applique les règles, tu meurs, tu veux partir, c'est Yonara » ou est-ce que, au moins une ou deux fois dans la campagne, vous allez essayer d'amender un peu le PHB pour lui permettre de survivre au moins ce coup-ci? Alors, non. Je pense que... Est-ce que tu peux développer et après je viendrai à ce qu'allait dire Flune qui était contraire, j'ai le sentiment. Alors, en fait, je pense que j'essaierai de lui montrer, si je devais le tuer, la beauté de la mort dans les JDR. À quel point tu peux offrir une belle fin à ton personnage, parce que ça pourrait justement lui faire comprendre par la suite que parfois ton personnage qui meurt, ça fait c'est quelque chose qui arrive et tant pis. Tu passes à la suite et voilà. Je pense que j'essaierai de faire grandir le joueur plutôt que accepter en fait de le laisser stagner. Après bon, c'est mon côté paternaliste en JDR, on va dire. Je pense que je le traduirai comme ça. Mais ouais, j'aurais envie de j'essaierai pas de le protéger outre mesure. D'accord, Flynn. Alors, moi je suis du parti que tout peut se régler par une bonne quête, en fait. Que tu peux... L'idée de Shagar serait là un peu, en fait, c'est de... Il faudrait pouvoir réussir à faire en sorte que son personnage réussisse à survivre par des moyens qui sont extraordinaires et qui sont bien notés comme tels, hein, pas juste du Lewis Espinfina. Mais que derrière, pour que... Pour maintenir ce personnage en vie ou pour le récupérer, c'est son choix.
Il y a du coup une quête qui insiste en effet sur la nécessité à un moment donné du départ. Et ça peut être une quête avec une bonne morale à la fin, qui peut du coup faire comprendre aux joueurs que son personnage est comme les autres, et que comme les autres, il est susceptible à mort. Sinon, il n'y aura pas d'intérêt. Moi, je trouve qu'on apprend à tenir encore plus à son personnage quand on sait qu'il peut disparaître à tout moment. Tout à fait. Mais c'est pas quelque chose que tu peux savoir. En général, si t'as un perso qui... Si tu savais déjà de base que le perso tenait... Que le PJ tenait trop à son perso pour ne pas vouloir qu'il meure, je veux dire, tu t'arrangerais avec lui au début, et il ferait autre chose, ou il ne ferait pas de GTR, mais généralement, si ça arrive, c'est quelque chose que t'as pas prévu. Et comme tu l'as pas prévu... Jamais je forcerai, de toute façon. Enfin, mon but n'est pas de tuer mon personnage en règle générale. Alors, je veux juste rebondir sur ce que dit Baphobit dans le chat, qui dit on peut essayer de faire un entre-deux, entre apprendre la mort et en même temps lui laisser jouer toujours le même perso, avec bah, du coup un système de quête, c'est un peu ce que disait Kiri, enfin Flynn tout de suite, pour revenir, pour permettre son passage de revenir à la vie. Je suis d'accord, et global, parce que j'avais fait campagne 1 d'ailleurs. C'est un principe qui est intéressant. Après, il faut savoir que t'as des joueurs qui, en fait, se jouent tellement eux-mêmes, jouent tellement une version améliorée de ce qu'ils sont eux dans la vie réelle, que jouer un autre perso, en considérant que leur perso principal est mort, ne serait-ce qu'une séance, ils n'y arriveront pas. Et moi, je vais dire qu'en fait, moi, je trouve que c'est pas une bonne solution. Pour la simple et bonne raison que si cette quête existe... Elle a potentiellement raison d'exister pour les autres, et elle a aussi potentiellement raison d'exister la prochaine fois. Donc tu retires toute forme de... Enfin, c'est très compliqué après de justifier la létalité d'une rencontre et le danger que tu peux avoir au combat, si en fait, quand un gars meurt, il a le droit de revivre. Le cas de Kiri, vous pouvez revoir le moment où elle est morte, je savais qu'il y avait des trucs dans le lore qui scénaristiquement pouvaient expliquer le truc, et c'est un moment de session très compliqué, parce qu'en fait, si on perdait Kiri, on perdait pas que Kiri. Où il y avait très peu de chances qu'on ne perde que Kiri. Maka était sur le chantier de la guerre à ce moment-là, parce qu'il commençait à devenir déjà très très fou. Et il allait me tuer. Et il allait me buter, ça c'était garanti. Et j'avais pas vraiment de counterplay. T'en as toujours pas, et les elfes allaient, sûrement buter Maka derrière. Hyacinthe, c'est garanti. Gwaedine, je sais pas, mais sûrement. Donc voilà, donc, c'était un cas très dangereux. Et il a eu des conséquences qui sont des conséquences différentes de ce que je comprends, liées à la marque. J'en sais pas vraiment plus. Alors, pour information, c'était la fameuse séance où il y a eu quelque chose comme 25 minutes, je crois, de pause. Où en fait, Flynn et moi, on s'est pas levé pendant la pause. On a juste passé 25 minutes à discuter de comment gérer la merde. Pour faire simple. Ah ouais. Ah oui. Okay. Je sais qu'il y a Actosis qui était en train de gueuler d'ailleurs par MP en me disant « Mec, t'as dit qu'il y avait 10 minutes de pause, ramène-toi, ça fait 25 minutes, t'as l'air d'un grand !» J'étais en train de paniquer parce qu'on n'avait jamais eu autant de viewers. Et moi j'étais juste là « Ouais, on va voir, je vais probablement mourir. » C'est rigole. Déjà, pour vous donner l'instant au moment de la pause, Kirelia est morte au combat d'avant. À la fin du combat, Maka a failli faire tomber deux personnes. Il s'est enfui dans un forêt, dans un marais regorgé de bordel. Et il s'est fait posséder une dernière fois avant le retour de la session par une archifée dégueulasse, comme tous mes persos, apparemment. Attends, j'y peux rien si t'es sexuellement attiré par toutes mes archifées dégueulasses, quoi. J'en dis pas ses préférences sexuelles à la naissance, j'ai envie de dire. Donc Vous l'avez entendu, il l'a dit. Donc c'était un moment vachement tendu où moi j'étais en train de faire un plan sur comment tuer Tailin en un tour. J'ai failli réussir. Je crois que tu m'as laissé à 4 points de vie. C'était un bordel comme ça, c'est-à-dire que c'était un moment vraiment ultra tendu. Donc ouais. Hyacinthe, on était prêts, on n'a pas vraiment de justificatif, surtout qu'en fait on nous a dit encore 3 fois que nos âmes nous appartenaient pas. Tianor a pas vraiment de carte, j'ai le droit de revenir. Ou alors ce sera un antagoniste. Et je crois pas que Cobra il ait non plus la carte divine, je crois qu'il a juste Radium à l'hiver, l'abonnement va pas plus loin. Pour l'instant, mais peut-être que lui aussi il sera tier 2 ou tier 3 un de ses jours. Hein. On sait ouais, pas. Peut-être.
Mais qui leur a les emotes les bibles dans les trinkets, moi je prends toutes les bibles. Et, ouais, et pour revenir du coup au sujet initial, qui était du coup la mort d'un PJ et sa résurrection à peu près des Ex Machina, ouais. Bien sûr que c'est quelque chose qui doit être vraiment exceptionnel et qui doit avoir des conséquences lourdes. Et ouais. Je pense que la façon dont... Ça, on en avait discuté à la dernière séance aussi sur la mort des PJ, de manière générale. Ouais. Sur notamment les quêtes pour revenir à la vie, le côté exceptionnel de ça, et on avait parlé un peu mardi dernier. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, du coup, sur purement la partie, à partir de quand vous dites, écoutez, je sais que c'est pas dans les règles, mais on s'en fout, à vos joueurs. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, en plus des questions de préparation, de récompense, de compensation de mauvais jets dans la soirée, des récompenses d'actions originales et des réussites automatiques. C'est important. C'est important le colémie dans ces cas-là. La limite, tu dis. Mais franchement, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Mais ça sera systématiquement du sur le moment et en calculant les conséquences à l'avenir sur la campagne. Et en précisant, ce coup-ci, c'est exceptionnel. Je te l'accorde. Je précise systématiquement par contre que c'est exceptionnel parce que je sais très bien que c'est pas dans les règles. Si j'accorde un avantage ou quelque chose... Pour une question purement de fun, faut pas que les autres s'attendent à la voir. Mais ça, c'est... Enfin, je le précise, quoi. C'est une fleur du MJ. Il faut pas qu'il le voit autrement. C'est un entretien avec les joueurs à ta table, aussi. C'est ça. Faut qu'ils comprennent. C'est ça, c'est ça. Et ça revient au sujet de connaître son MJ. Oh, putain, non. Merci pour cette inspiration bardique. Putain, non. Poster. Non. Commencez à la charger, le Genki Dama non. Et la destinée de Tianor vous attend. S'il vous plaît, non, pas lui. Cherchez Tailin, il en a besoin. Mec, moi, trop lourd, j'ai commencé, tu vois, à concentrer une boule de feu dans sa bouche. Je n'utiliserai pas les points pour me buff moi-même. Je vous laisse charger le Genki Dama pour pouvoir utiliser ses inspirations sur des rôles de drague, sur des archifées dégueulasses. Y'a rien qui m'intéresse. Alors par contre, je dis tout de suite, monsieur Chagar, non, vous ne pouvez pas utiliser vos propres points pour vous buffer vous-même. Remboursez-moi. Bon, je regarde un truc, on les avait mises à 500, les inspi Bah ouais. Ouais, on les avait mises à 500. Après, c'est 500, hein. Ça fait 1500 total pour une inspi. Ridiculement peu cher. Mais je vous ai si venu, faut buffer les prix. On verra pour les prix. On en discutera, En tout cas, on est 6 joueurs. Oh, je peux pas me buff, mais qui me... Qu'est-ce qui m'a sauvé, en fait? Pendant que nous avons les buffs vaincus. Du coup, est-ce qu'on peut buff les autres? On en discutera. Ouais, moi, je proposais 1500 à la base, mais De toute façon, on en parle samedi en début de séance. Oui, c'est ce qui a été donné, de toute manière, ce soir sera conservé, hein, notamment pour Tianor. Oui, donnez un maximum tant que vous le pouvez. J'avoue. À l'aide. Est-ce que je peux le faire du coup? Allez. Ouais, bref. Continuons. Alors, ouais, pour du coup, les. En torse aux règles, non, on a fait le tour? Je dirais qu'effectivement, fondamentalement, c'est une zone très floue et subjective. Je rajouterais juste en leçon de Papa Maka de dire soyez sûr au moins que ça rapporte du fun à la table. C'est ça. Parce que sinon, on s'en fout. Et après, c'est juste de vous en servir quand même relativement peu, sauf quand vos joueurs sont très très créatifs, etc. Dans le but d'éviter à ce que ça devienne systématiquement de l'ensorce aux règles et qu'à la fin vous paumez dans un D&D qui n'est plus de D&D. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on va pouvoir passer vite fait dessus. Être extrêmement prudent, voire même ne pas en utiliser, je pense que c'est le mieux. D'entendre ces règles contre les joueurs. Ce qui est ouais, non, si tu réussissais ton coup, ça one-shotterait la personnage, donc je vais pas te l'accorder. En gros, faire attention avec les murs en scénarium. On va dire ça comme ça. Ouais. Parce que faut pas que la personne ait l'impression de ne pouvoir rien faire parce que sinon elle va se sentir juste railroad. Ouais. Et c'est chiant.
Alors, de manière générale, perso, je crois que je suis contre les entorses aux règles, en fait, côté MJ contre PJ, en fait. Il y a des fois, un mur en scénarium, ça peut être nécessaire quand vraiment il y a un truc que t'avais pas prévu, que ça ruinerait absolument toute la campagne. Ouais, mais ça, voilà, typiquement, c'est des trucs que tu fais une fois, tu vois, de manière exceptionnelle pour sauver ta campagne sur le moment, et normalement, faut que dans la foulée, tu refasses ta préparation et que tu te poses des questions sérieuses, quoi. C'est ça. C'est pour ça que le mieux en scénarium, si vous êtes obligé d'en abuser trop régulièrement, c'est qu'il y a un problème dans votre façon de masteriser. Ouais, enfin, personnellement, je le présenterais comme ça, même si c'est un peu violent. Bah, par exemple, le cas des boss à qui tu as filé des armes, genre des artefacts magiques plutôt endgame, que TPJ vont tuer, TPJ demande à récupérer genre l'épée enchantée qui balance 12 missiles magiques par tour, niveau 3. Et là, tu te rends compte que, oh merde, s'ils ont ça à niveau 3, en fait, ils vont rouler sur absolument tout le monde. Vous pouvez pas la ramasser. Pourquoi? Parce que... Elle est lourde. S'enfuit. Très vite. Je vais faire le roi d'Angleterre et aller ficher dans la pierre pour l'éternité, moi. Elle se plante. Mais attends, mais comment l'épée se plante? Elle prend ses bras, elle s'empoigne. Oui, la barrière a des fanards très chelous, donc on va éviter ça. Mais tu fais un seul bout, on va ici, monsieur le MJ. Donc voilà, ça, bah, comme, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Chagar, c'est-à-dire que non, tu vas pas bousiller ta campagne parce qu'il y a un truc auquel t'as pas pensé sur le moment, et ouais, du coup, tu vas dire, bah, normalement, tu peux récupérer tout ce qui tombe sur le champ de bataille après la mort des ennemis. Cette fois-ci, on va dire que non. Parce que, voilà, je suis désolé, j'ai mal préparé... Mais dans ce cas-là, assumé, quoi. J'ai mal préparé mon truc et je vais essayer de mieux gérer pour la prochaine fois. Mais si ça, ça se fait à chaque séance, ça va être problématique. Ouais. Ça va saouler. Je juste dire un truc au chat. Vous savez que rajouter un D6 à Kirillia, ça fera 1 sur le D20 plus 11 plus un D6. Ça fera toujours 18, mais ça restera un échec critique qui sera dans le dos du healer. Je précise juste aux gens qui veulent mettre des points dans Kiri. Hein. En vrai, moi je vous dis, mettez des points dans Kirillia parce que c'est elle qui fait les checks de perception. Dans lesquels elle a moins 2 et des avantages. Alors, si vous pouvez lui rajouter un 2. C'est... Ou les sauvegardes contre les froids. Hein. Les sauvegardes contre les froids, j'aimerais bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien aussi. Peut-être qu'elle prendrait une vraie arbalète alors ou pas une arbalète à alors qu'elle est monomaniaque comme ça. C'est quoi, c'est une excellente idée ça, les bag. Buffer mes monstres. Non. Allez-y. Non non non. Si. Je pas prends les D6. On va sûrement augmenter le tarif, mais en tout cas en attendant c'est limité à une par personne par stream. De manière à éviter à ce que certains donnent des inspirations à toute la table et que ça casse complètement le jeu. C'est-à-dire qu'on pense vraiment à ça pour des raisons d'équilibrage. Là, on est en train de découvrir. Si on met MJ en inspiration bardique... Mettez MJ en inspiration bardique, je les prends. C'est les boss qui prennent l'inspiration bardique. Non. T'inquiète pas. Alors, tu peux le faire, Pangola. Ça veut pas dire que j'ai pas maître à t'insulter. T'as gagné, c'est pas où t'habites, tu crains rien. Il y a deux sessions, si tu veux, on a eu un mort, et connaissant Eledril, ils en ont avoir un deuxième si vous commentez à l'inspirer. Ouais, genre... c'est juste un des six. Je tape déjà en plus 13, mec, ça craint rien. Il y a rien qui se plaint, mais j'ai... Tu pourrais peut-être toucher ta ligne, quoi. Oh, wait, t'y arrives déjà. Non, parce que pour toi, j'ai mis des 16, ça ne viendra pas les D6, bref. Alors, si vous avez rien à ajouter là-dessus, avant de passer au deuxième sujet de ce soir, pour résumer... Je vous propose très simplement la chose suivante, c'est que les règles, de base, on les applique pour que les parties soient fluides et fun et simples pour tout le monde. Et que si, bah justement, faire une entorse aux règles, ça permet d'avoir une partie qui soit plus fluide, plus simple et plus fun sur le moment, parce que t'as une règle qui est un peu obscure et que gérer ça plutôt comme ça, que la manière dont c'est prévu dans le PHB, ça convient mieux à tout le monde. Autant partir sur l'entorse qui va être simple et fluide, parce que tes joueurs ont une très belle action qui est très originale, ou parce que c'est vraiment la merde pour ton groupe et que t'as pas envie de TPK au milieu de ta campagne parce qu'il y en a 3 qui ont mal roulé depuis 10 tours, ou parce que t'as TPJ qui ont passé littéralement une semaine in-game à bien préparer un vol ou un assassinat, et que c'est un moyen de récompenser en fait ces RP-là. Ça vous convient pour ça? Oui. Sympa. We do have a deal.
Ok. Et bah du coup, deuxième sujet, on vous avait dit qu'il serait un peu plus court le dernier discussion de ce soir pour essayer de nous garder en vie quand même. Ce serait le but. Merci. Non mais t'inquiète, c'est très égoïste. Hein. Après, on vous aime et raquez les points de chaîne. Faites-vous plaisir. Après, en vrai, n'hésitez pas à en économiser des points de chaîne pour envoyer des trucs lors des futurs. C'est ça. Et comme vous l'avez vu, on verra si on ajustera. Moi, j'ai fait les calculs par rapport à ce que je viens de vérifier. Vous récupérez en deux sessions de 4 heures 1280 points. Attention, le comptable est là. Plus avec... en étant actif, c'est-à-dire qu'en prenant les boîtes et tout. Donc si vous êtes à... Deux secondes. Donc si vous êtes à 2000, vous aurez l'opportunité du coup de parler 5 minutes avec nous sur ces sujets-là le mercredi, ce qui peut aussi vous intéresser. Donc pour ça, n'hésitez pas. C'est vrai. Sans oublier... Voilà. Je veux des trinkets. Ouais, je veux des trinkets aussi. Pour les autres aussi. Ça peut être vraiment très drôle. Je suis soit ce que disait Bag, n'hésitez pas à économiser les points pour participer aux discussions parce que c'est 2000, c'est relativement cher quand même. Et qu'on vous prendra en stream avec plaisir. Mais du coup, pour le second sujet, qui, alors, en tant qu'auteur, m'intéresserait davantage, sur les descriptions. À la fois les descriptions à l'écrit lorsqu'on crée le scénario et l'exhaustivité de description qu'on fait à l'oral lorsque les PJ arrivent devant telle scène, dans tel environnement ou rencontre tel PNJ. À quel point, selon vous, faut laisser du flou artistique pour que les joueurs remplissent avec ce qui, eux, les botte le plus? Après, moi, s'ils sont dans une salle, genre un bureau pour une enquête, je pense que faut dire les trucs de base. Genre, il y a un bureau, il y a une bibliothèque, et juste ce que tu vois au premier abord, et après, tu les laisses faire leur enquête eux-mêmes. Objection! Non, objection! Faut quand même faire un. Quand tu fais justement une investigation, chaque détail a son importance, et si tu limites justement le nombre de détails que tu fournis, tu vas naturellement diriger tes joueurs vers les points d'intérêt, de manière assez bourrine en fait. Ouais. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que si justement t'es en investigation et que les gens vont peut-être passer 10 minutes dans cette salle, autant la fleurir avec de la description, dans le but justement au moins qu'ils se la visualisent bien, qu'ils ne spawnent pas, et qui en fait ça commence à installer une ambiance sur laquelle tu peux travailler. Genre, elle est ultra creepy, il y a sûrement des fantômes. C'est un peu ce que je veux dire, genre, décrire le truc avec pas mal d'adjectifs et tout, mais sans forcément dire que, genre. Laisser quand même un certain flou pour pouvoir laisser. Du mou au niveau de ce qu'ils vont trouver avec leur jet, quoi. Je sais pas, ouais. Décrire la luminosité de la salle, décrire l'odeur, décrire ce genre de choses. Ouais, mais sans. Alors, sans c'est citer, ça. Quoi. C'est ça, c'est que. Là, après, moi personnellement, je suis partagé parce que j'ai un peu tenté les deux, je vois pas de différence majeure. Mais c'est toute la question. À quel point tu fais. Parce que. Pour ce qui est de poser ton ambiance et de poser une ambiance un peu creepy qui va faire dire à tes joueurs c'est peut-être hanté, il y a dû y avoir un truc pas clair ici, tu peux très bien le faire avec simplement vraiment quelques mots. Tu décris vraiment les meubles, l'état du mobilier un peu décrépit de manière générale, les planches de bois des étagères qui ont commencé à pourrir, qui ont fini par s'affaisser sous le poids des livres poussiéreux dans le coin droit. Ça, t'es pas obligé d'aller jusqu'à par exemple ce que fait Strad et d'écrire pour chaque caveau littéralement la taille de la tombe, le nombre de gargouilles sur le mur du fond, l'aspect des gargouilles et la quantité de poussière que t'as dans la pièce pour la tombe 1, la tombe 2, la tombe 3, la tombe 4, etc. jusqu'à la tombe 34, quoi. C'est vraiment ça la question. Il faut... déjà, il y a une notion de à quel point tes joueurs ont du café avec eux. Que oui. S'ils sont beaucoup trop crevés et que tu leur balances une action comme ça, genre ils vont jamais survivre. Alors que des gens qui sont au contraire bien intéressés par le côté littéraire, qui sont vraiment. Ouais. Ouais. C'est juste que tu les bats, t'inquiète. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, déjà, il y a une notion de à quel point tes joueurs aiment les descriptions. Et aussi, à quel point elles sont pertinentes. Si derrière tu dis qu'à telle statue il y a une grosse quantité de poussière, mais qu'à l'autre il y en a une moins,
il faut que derrière, ça les joueurs puissent... déjà que c'est du sens pour toi, mais que les joueurs aussi puissent en tirer du sens. Ouais. Genre en mode, ah ouais, ça a peut-être été bougé. Justement, c'est toute la question, c'est est-ce que, en fait, tu fais c'est ce que je fais, moi, principalement en campagne, c'est-à-dire des descriptions qui sont effectives. Chaque élément que je vais prendre le temps de vous donner, parce que j'essaye de parler le moins possible en campagne, parce que mon but, c'est que vous parliez, vous jouiez, en fait, le plus possible. Chaque élément a du sens, mais est-ce que déjà ça donne pas un côté assez factice, parce que du coup tout ce que dit le MJ, tu peux te dire normalement je peux faire quelque chose avec ça, et est-ce que du coup ça limite pas aussi le côté naturel? Moi, pour reprendre l'exemple de la poussière où il y a un endroit où il y en a et il y en a un endroit où il y en a un peu moins, moi je dirais genre les deux, il y a une fine couche de poussière partout où vous pouvez regarder, et avec un jet d'investigation, tu te rends compte que là il y en a un petit peu moins et que le machin il bouge, par exemple. Et donc là tu quittes ça par rapport à l'intérêt du joueur, c'est ça? Parce qu'il faut que le joueur du coup te demande l'info pour faire son jet d'investigation et s'en rendre compte, quoi. En gros je me dis que logiquement s'ils sont en pleine enquête ils vont chercher un peu partout. Et du coup, celui qui va se rapprocher de cet endroit-là, il va faire son jet et se rendre compte probablement. Si c'est un élément important, je mettrai pas le jet en difficile, par exemple. Ou alors, si c'est un truc trop évident, il n'y a même pas de jet, quoi. Mais ça, on en revient au sujet juste précédent. Par rapport à quel moment tu demandes le jet, et ça, c'est au feeling perso, je pense. Quel moment tu vas demander un jet d'investigation, à quel moment ça va être évident, et voilà. Pour moi, ça dépend vraiment en fait du temps qu'ils vont passer dans la zone. C'est-à-dire que si je cherche, enfin, si vous avez passé une demi-heure dans un endroit, alors déjà normalement, c'est-à-dire que je me suis fait un peu chier sur la map, dans le sens où il faut que la map soit un minimum descriptif de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça, on va parler justement des maps. Et en parallèle de la map, je vais quand même faire chier à rajouter du petit détail en fait pour essayer d'immerger le joueur un maximum et de lui donner une petite notion de réalisme de là il y a un bureau, le bureau il est en bois, il est en quel bois, il est fait comment, pourquoi. Et d'ailleurs c'est par exemple il y a plein de trucs que moi j'ai repris dans Carnal Keep du mardi et que vous verrez pour ceux qui jouent le jeudi, où il y a des moments où en fait j'ai trouvé une logique par rapport à la baraque de manière générale qui n'est pas écrite dans le module, mais qui pour moi en fait explique parfaitement la situation de pourquoi ça est là et ça est là et ça est là. Parce que parfois ça peut paraître un peu random, mais si tu demandes, moi j'ai besoin pour que l'univers soit suffisamment concret et pour que vous aussi vous ayez l'impression d'y être, que tout ça ait une logique derrière. C'est cohérent. C'est ça. Alors, justement, en fait je voulais résumer un peu tout ça, parce que c'est la question fondamentale, je pense, que vous êtes en train de toucher. Mais en fait, comme disait Flune, si les joueurs sont un peu fatigués et que tu mets beaucoup, beaucoup d'informations, est-ce que ça va pas juste les assommer, est-ce qu'ils vont pas tout perdre? Inversement, j'ai pu voir aussi le problème inverse, c'est-à-dire des joueurs qui sont fatigués auxquels tu vas laisser justement beaucoup de blanc à remplir, qui vont pas le remplir, et du coup tu te retrouves avec des parties qui sont floues, où tes joueurs ont mal compris ce qui se passait, ou n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Et je pense par exemple un cas un peu intéressant mardi soir sur le Candle Keep. Ça se passe vraiment tout début dans les genre 10 premières minutes, donc je pense pas en spoil. Je vais essayer de ne rien spoil dessus. Où t'as un personnage qui quitte une pièce, on va dire. Le personnage quitte la pièce, il avait un objet dans sa main. Et Rectosis dit juste, il a décrit le personnage, il a décrit l'objet en amont, les gens ont un peu discuté avec lui, et à la fin de la discussion, Recto dit, le personnage sort, et voilà. Et t'as un des joueurs qui a cru qu'il avait laissé l'objet dans la pièce. Tu vois à quel moment je parle, Recto? C'est bon? Okay. Ouais, absolument. Qui a cru qu'il avait laissé l'objet dans la pièce, et du coup qui est parti l'examiner, et Rectosis a dû reprendre à ce moment en disant, non, il est parti avec. D'accord? Après, t'as une joueuse qui a cru qu'il leur avait pris un bouquin qu'ils avaient avec eux en sortant. Et là, je lui ai dit tu l'as montré, et parce qu'en fait il aurait pu lui donner le bouquin, il l'a pas donné. C'est ça. Mais ils sont pas allés jusque là, et du coup Rectosis pareil est à nouveau intervenu en disant non, tu lui as montré le bouquin, voilà, mais il te l'a pas pris. Mais du coup, à quel point tu dois justement faire un truc hyper exhaustif
en disant, tu lui montres le bouquin, mais il ne le prend pas. Sur ce, il quitte la pièce en gardant sous son bras la statuette avec laquelle vous l'avez trouvée, et il sort avec sa statuette. Tu vois à quel point tu dois vraiment prendre en compte absolument tout et dire, alors le personnage va sortir là, par cette porte-là, avec tel objet et tel objet, et en n'ayant pas touché tel objet. Ça, c'est des éléments que j'ai inclus. Mais pour revenir à une autre partie que tu m'as vu faire dans Candlekeep, ouais. J'ai des plans B. J'ai toujours des putains de plans B. S'ils ont raté l'info, c'est pas grave. Il y aura soit un PNJ, soit ouais. un événement, soit un bouquin qui tombe d'une bibliothèque. Ouais. Qui va leur permettre de retrouver la piste et qui, à force qu'à un moment je martèle, va faire qu'ils vont trouver la piste et continuer d'avancer. Ça, le rattrapage quand t'as tes PJ qui ont manqué une information qui déraille un peu, c'est un autre sujet. Là, je suis vraiment sur la question parce que ça arrive aussi parfois un peu sur Valkynia. Je me souviens notamment par exemple les questions de Fune qui redemandent le temps, oui, ou si tel ou tel PJ a laissé tel objet ou pas, ou, etc. Parce que ça, typiquement. Ton espionne, elle est venue ou pas ? T'as eu des infos sur ton espionne ? Ah, qui arrive. Oh non, alors, mais ça c'est autre chose encore. Ça, c'est autre ça, c'était autre chose. Mais parce que ça, typiquement, c'est des moments où tu vas passer un temps à faire ta description, qui va parfois être un peu longue, et si derrière, t'as ton joueur qui a pas compris un élément parce que tu l'as sous-entendu, parce que t'es parti du principe que c'était évident, ce qui n'est pas forcément pour tes joueurs, ou que t'as dit un truc un peu trop vite et que tes joueurs sont fatigués parce que ça fait 3 heures qu'on est en séance et ils passent à côté, qui vont te redemander après... ce point, ou qui vont partir du principe par exemple que la statuette est restée là et qui vont dire qu'ils vont l'examiner, et du coup tu dois prendre du temps pour leur dire qu'ils peuvent pas parce qu'en fait la statuette est plus dans la pièce parce que le mec est en fait parti avec, parce que tu étais parti du principe qu'il l'avait sur lui et tu n'as pas dit qu'il l'avait laissé dans la pièce, donc il fallait partir du principe qu'il était sorti avec. Ça, c'est des trucs qui vont à chaque fois péter ta narration. Bah, il est si rapide. Quand il est en fait, j'ai une formation. Il essaie de finir le plus tôt possible. Tu veux, il est en train d'essayer de compresser les mots comme il peut. C'est ça. Mais voilà, parce que ça c'est le souci que j'ai, et c'est vraiment pour ça que moi cette partie de la discussion de ce soir elle m'intéresse beaucoup, parce que c'est un truc qui est revenu régulièrement dans mes séances depuis ma première campagne, de la question que je posais souvent à mes joueurs en feedback: est-ce que vous voulez plus de descriptions, moins de descriptions, est-ce que ça vous va tel quel, est-ce que vous voulez que je reste sur du factuel avec un peu de flavor, que je fasse un truc vraiment très 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 précis en décrivant chaque objet, et vous pouvez ensuite vraiment me dire: bah moi je vais prendre le coupe-papier qui est sur le bureau, moi je vais m'asseoir dans le fauteuil à bascule en bois de rose qui est à droite, et moi j'ai regardé le livre à la couverture bleue un peu pimpante qui est sur le deuxième étage de la bibliothèque à gauche. Il y a des joueurs qui veulent ça. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est de leur demander justement qu'est-ce qu'eux ont vu, du coup. Parce que quand tu fais ça, du coup derrière tu vas avoir le regard, les mots sur lesquels les joueurs sont posés, qu'est-ce qui a vraiment retenu leur attention, si c'était les trucs que tu as, tes descriptions un peu plus détaillées ont du coup accroché et ça a motivé leur intérêt, ou si au contraire ça les a plutôt barbés et ils sont juste souvenus du contexte général. Donc même in-game, moi, alors, c'est quelque chose que... Ouais, j'ai un souci avec ça parce qu'en fait ça revient... à demander à 6 fois en fait la description que tu viens de faire, un peu sur mode de l'interrogation, tu vois. Ok, alors je décris la pièce, toi qu'est-ce que t'as retenu, d'accord, toi qu'est-ce que t'as retenu, et du coup le moment de description, tu sais que j'aime faire parce que j'aime la littérature, j'aime lire, j'aime discuter, comme vous en êtes probablement rendu compte. Non, pas du tout. Blague à part, ce moment de description que j'aime bien faire, mais qui coupe toujours l'action, tu vois. C'est un moment où personne ne va parler, où personne ne va agir. Juste, tu fais un tableau d'environnement. C'est quelque chose qui casse déjà l'action. Et si en plus, derrière, tu demandes à tes joueurs de reproduire eux-mêmes ce tableau, je trouve que ça va juste casser encore plus la dynamique, tu vois. Après, c'est pas un truc que je ferais systématiquement, tu vois, mais au moins, genre pour les moments importants, de groupe, d'ailleurs, pour éviter le syndrome de genre interrogation personne ouais. par personne. Ça pourrait être intéressant. Bah après, le truc, c'est que justement, de groupe, t'as celui qui a vraiment bien suivi, qui va te faire un résumé quasi mot pour mot de ce que t'as dit, et t'as celui qui avait déjà pas suivi au départ, qui va du coup rien rajouter, et ça n'empêche qu'à la fin, il saura toujours pas ce qu'il y a dans la pièce, parce qu'il aura pas pu s'écouter l'autre PJ qui redit ce que t'as dit, que toi lorsque tu l'as dit, tu vois, je pense. Mais derrière, y a pas mal de moments où, que ce soit Egouledine ou moi, et parfois Taïline, on reprend ce que vous dites en tant que PJ pour dire non, en fait il vient de dire ça, t'as juste dû rater 3 mots, quoi. C'est ça. Mieux partir dans la correction après coup plutôt qu'aller chercher où est-ce que ça a merdé dans la compréhension. C'est ça.
Et après, il faut toujours faire gaffe aux extrêmes, c'est-à-dire que... Je me rappelle d'un certain Crystal qui, une fois, parce qu'il est passionné d'un certain univers nommé League of Legends et Runeterra, m'a lâché une infodump de 45 minutes avant même que j'ai le droit de rouler un jet. Oui, j'étais là, je confirme, j'étais là. Bon, j'ai eu envie de mourir trois fois, ouais. Genre... J'étais spectateur au début, mais du coup, c'était quoi l'histoire, enfin, il a fait une description incroyable sur toutes les îles obscures. Alors, on était même pas... c'était avant les îles obscures, on a passé 30 minutes dans le port de Bilgewater. Bilgewater. Ah. On n'a pas roulé un dé. Après, ça, c'est pas forcément plus mal, c'est du full RP sans dé, ça marche aussi. Non, mais en fait, c'est RP, on n'a pas roulé un dé, il veut dire on n'a pas parlé, en fait. D'accord, c'était juste la description. C'était cinématique de 45 Alors, minutes. Alors, pas que de la description, c'est-à-dire il y avait aussi ces PNJ qui parlaient, mais les PNJ parlaient entre eux et interagissaient pas vraiment avec les joueurs, en fait. Quand ils interagissaient avec les joueurs, c'était pour attendre un oui ou un non, et après ils se remettaient à parler entre eux, et il y avait à nouveau de la description. Pendant environ 30-45 minutes, ouais. Non, 45 minutes chrono, hein. je me rappellerai toute ma vie. j'aime toujours autant Crystal. J'ai toujours envie de voir ce qu'il produit en tant que MJ, s'il arrive à produire des trucs en ce moment. Ouais, je sais. Mais donc voilà. Mais par contre, ouais, donc il y a un extrême à tout. Maintenant, ce que je veux dire est très con, c'est que tu fais ça au feeling. De toute façon, généralement, quand une scène est suffisamment bien décrite avec des trucs un peu utiles que t'as mis dans la pièce, si tes PJ sont un minimum créatifs, ils vont s'en servir et donc là tu te diras ah ouais, ça les a marqués, c'est bon, ça avance. Et après, t'as la. Absolument, c'est une cinématique. Et après, t'as l'autre côté du truc qui est. Si tu vois que les gars sont complètement paumés, bah tu vas rajouter au fur et à mesure et tu vas essayer de le faire autant dans le monde que tu peux en RP. Et là, bonne chance, c'est ton boulot d'impro de MJ. Survie avec ton slip. Mais ça, après, alors deux choses qui ont été dites dans le chat que disaient Gabs et Pangola. Les deux se complètent assez bien, je trouve. Déjà, c'est une question de. Je vais commencer par ce que disait Pangola. Pangola qui dit en fait. Lorsque tu fais ta description, tu laisses basiquement tes joueurs admirer le spectacle et tu laisses absorber en fait ton environnement. Et ça, j'ai pu bien le remarquer en campagne, parce que je sais que quand je commence à faire des descriptions qui sont un peu pimp par rapport aux autres, où je m'attarde vraiment sur les différents sens qui sont mis en éveil, que je fais vraiment un bon développement de ce qui se passe autour de vous, de ce que ressentent tes personnages, j'ai remarqué que surtout Rectosis et Zoidbag ont tendance à se caler un peu, fermer les yeux et juste se laisser porter en fait par la description. Rectonix le fait assez régulièrement. Zedback, je l'ai remarqué samedi à deux reprises au moment de l'enterrement d'Hyacinthe et au moment où il a tiré Raclair du fourreau. Ouais, tu veux réagir? Zedback, non? Non, non, mais ça c'est en général que ça se passe quand je commence à fatiguer, quoi, surtout. D'accord. Parce que sur Raclair, c'était vraiment tombé pile au moment où je t'avais vu de caler et c'était plutôt en début de séance. C'était pour ça. Je sais que Rectosis notamment m'en avait parlé. Ça, c'est vrai que c'est un moment qui est assez intéressant, et j'essaye d'ailleurs avec ça d'enrichir un peu plus mes descriptions. Parce que c'est un moment, en effet, bah, du coup cinématique, où le joueur va juste se poser sa réflexion, ne pas réfléchir à ce que va faire son personnage, mais juste se laisser porter par l'environnement et absorber les mots du MJ tranquillement avant de se remettre dans l'action. Ça fait une sorte de petite pause. Je suis aussi d'accord à ce que disait Guy juste au-dessus. Ça dépend des descriptions, c'est-à-dire que je pense que prendre le temps de faire une vraie description à la strat, par exemple, où tu décris chaque brin d'herbe, ça peut être intéressant dans les moments vraiment importants pour que tes PJ absorbent vraiment à fond l'ambiance d'un endroit. Je pense par contre que si tu le fais vraiment pour tous les lieux, et dans le cas de strat, je trouve que le faire pour toutes les cryptes, y compris pour celles où il n'y a absolument rien, ça reste assez fastidieux à écrire. Et ça reste, je pense, assez fastidieux en partie, parce que si tu veux te taper les 34 cryptes et que tu veux te faire 34 paragraphes, sachant qu'il y en a peut-être 6 où il y a un combat et genre 12 où il y a du loot, ça va peut-être assez vite saouler tout le monde de juste faire sa crypte et avoir son paragraphe de description unique à chaque fois. Après, ce que disait Guy, justement, c'est que ça dépend des enjeux pour la description, je pense, c'est-à-dire que pour lui, c'est que justement, certaines valent le coup d'être explorées, ouais. Certaines valent pas le coup de l'être. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Après, c'est aussi lié au type de joueur, et le joueur explorateur adorera avoir des descriptions comme ça. Alors, pas tout à fait d'accord. Parce que
Le joueur explorateur, souvent, c'est aussi quelqu'un qui aime bien, bah, justement, explorer, tu vois. Faire un peu ce qu'il peut, ce qu'il veut avec l'environnement. Et du coup, le joueur explorateur, j'avais pu le voir avec Buisset sur la campagne 1, qui était très branché explo. Justement, si tu laisses le flou artistique, que tu lui dis, bah, par exemple, t'as une table avec des outils, tu ne décris pas les outils, ça va justement être souvent le joueur explorateur, celui à aller dire, est-ce qu'il y a une scie sauteuse? Et si t'as dit direct qu'il n'y avait pas de scie sauteuse, bah, il va être triste parce qu'il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Et justement, ça va nous faire un peu le lien avec ce qui va conclure la soirée de ce soir sur les maps. Donc, carte de combat, carte sociale, tout ce que tu veux. Plus tu vas être flou, et plus les joueurs un peu explorateurs, un peu originaux, qui aiment bien s'emparer de l'environnement et faire ce qu'ils veulent avec, ils seront contents parce que du coup, ça sera facile pour tout le monde de faire pop ce dont ils ont besoin, tu vois. Ah bah, y a Buisset qui est dans le chat. Ah, exploration, c'est la vie. Ouais. Mais... Bah, je sais pas, moi j'aime souvent te demander les options que j'ai à dispo. Voilà. Justement, je voulais exemplifier avec un truc que t'as fait il y a deux séances recto. C'est la question justement des descriptions. Et du fait que paradoxalement, une description volontairement floue va permettre plus de choses aux joueurs, souvent. Au prix de peut-être un peu moins, au prix de moins d'immersion, mais de plus de possibilités. Ça, je vais juste le noter. C'est, si vous vous souvenez, quand Tianor était en train de traverser la Pampa poursuivi par ses 15 cavaliers en loup sanguinaire. Et que je lui dis juste, t'es en train de traverser des champs. T'es en train de traverser un paysage de champs en plaine, à la con. Et je m'en suis tenu à ça. J'aurais très bien pu lui dire, c'est juste de la terre rase. Retourner, bêcher, à 10 km à la ronde. Il aurait été très malheureux. J'ai choisi, sachant que ça commençait à être bien la merde, de laisser le truc vraiment le plus vierge possible, de laisser le plus de tabula rasa possible. Bah, en me disant, Rectosis va peut-être penser à un truc auquel moi là tout de suite je pense pas, qui pourra peut-être le sauver dans cette situation. Et c'est là qu'il est venu me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un tas de foin, un tas de paille à la con derrière lequel je pourrais me détransformer en araignée? T'as ton tas de foin. Parce que justement, je n'avais rien mis, donc ça permet d'autant plus facilement aux joueurs d'apporter ses idées en fait. Dans l'environnement. Et du coup, voilà, Rectosis, je te laisse y aller, parce que je crois que tu voulais rebondir, mais je voulais apporter cet exemple précis aux gens en chat. Bah, moi, j'allais prendre aussi l'exemple souvent pour la discussion avec les animaux, ou les liens que je fais avec eux, qui est... Voilà, j'ai besoin d'un messager animal, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Bon, il y a une famille de lapins. Il y en a deux qui partent, il y en a un qui fait le CV. Et c'est ça, c'est que, mine de rien, quand tu vas regarder ton environnement, bah, je sais aussi que, bah, encore, ça c'est aussi un truc que Gwledin fait, là où par exemple, Kirelia, elle va chercher dans son inventaire qu'elle connaît super bien, pour aller jeter une corde dans la nature, faut la libérer, c'est comme les animaux. Libérer la corde. Voilà, et il connaît tous ses bouquins par cœur, il sait tout ce qu'il y a dans le stuff, il a même l'étape de ce qu'il va forger un jour. Okay, attendez, je pars encore avec que je recherche à tout prix. C'est ça. Vous n'avez pas tardé à voir du tout. Là où Zubdag aussi, de temps en temps, il va dire est-ce que je peux pas trouver un truc comme ça? Et il va commencer aussi à planifier autour du fait. Plus tu donnes de contrôle, plus il va se passer la même chose que la dernière fois que vous avez fait un jeu de civilisation, c'est-à-dire qu'il écrase le jeu. C'est vrai. Parce qu'il comprend très très bien ces mécaniques là et du coup en fait dès que tu lui donnes une petite accroche, il va très vite s'enfoncer dans la brèche et très bien l'exploiter. Il m'a envoyé des bombes nucléaires plusieurs répétés de fois où j'ai fait dessus. De manière générale, moi c'est. T'as aimé ça. Mais de manière générale, c'est un peu le credo que je suis. C'est pour ça que je me limite vraiment à l'effectif dans mes descriptions, ceux que j'ai posé moi pour que vous puissiez interagir avec, en faisant une description un peu propre, un peu littéraire derrière pour créer le plus d'immersion possible avec le moins de mots possible. Mais que derrière, je laisse les choses volontairement vagues parce que je pense que moins ta description est précise en tant que MJ, et en fait, plus tu donnes de contrôle à tes joueurs. Moins tu précises en fait ce qu'ils ont à disposition par exemple sur le bateau, et plus ils pourront sortir des trucs créatifs en combat lorsqu'ils vont se faire enfin aborder. Alors que si tu leur dis bah t'as deux seaux, deux cordes et un grappin, voilà, tu leur donnes les outils, mais après ils ont rien plus quoi. Alors personnellement, on a pas mal reproché de faire de manquer de description. Bon, après en l'occurrence, c'est je pense plus sur la partie
et littéraire. C'est-à-dire que c'est pas tant le manque d'objets, c'est que je développe pas autour des objets acquis. C'est ça. Et ce que je t'avais fait remarquer aussi, c'est que tu répétais beaucoup, parfois. Oui, mais ça, c'est parce que j'essaie justement de faire prolonger ma description. Mais j'en suis proprement incapable, je stresse trop quand je fais des descriptions. Il y a une table, une chaise, une table et une chaise. Et la table, c'est pas n'importe quelle table. Rendez-vous compte. Mais du coup, voilà. C'est compliqué pour moi les descriptions. Ça, c'est pas une nouveauté pour tous ceux avec qui j'ai joué. C'est pour ça qu'en règle générale, sur des descriptions importantes, en tout cas, je les écris en amont. Parce que à l'écrit, en soi, je m'en sors très très bien sur des descriptions. Ouais. Bah, alors, ça, même chose, moi, sur mes nouvelles préparations, maintenant, enfin, par exemple, typiquement Valkynia, tous les moments, alors, conversation, dialogue important ou description importante, j'ai mon petit encadré vert en italique que j'ai lu tel quel, en fait. Parce que c'est vrai qu'une une description, justement, c'est un truc qui se travaille un peu. Parce que si t'es trop sec, si ça se limite vraiment aux 2-3 trucs avec lesquels les joueurs sont censés interagir, déjà, l'immersion va pas être terrible. Et tes joueurs vont tout de suite savoir avec quoi ils veulent interagir. En fait, c'est plus vraiment du JDR, tu sais, ça devient un jeu tel. Ça devient, tu sais, un jeu à choix. Un jeu à multiple. Jeu à choix multiple, merci beaucoup, Rectosy, je cherche l'expression. Ça devient un jeu à choix multiple, c'est-à-dire vous rentrez dans la pièce, alors au fond vous avez une table sur laquelle est posée une scie sauteuse, je sais pas pourquoi ce que j'ai Est-ce que vous attrapez la scie sauteuse? Sur votre droite il y a une porte en bois, et sur votre gauche il y a une porte en fer qui n'est clairement pas ouvrable avec une scie sauteuse. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez d'ouvrir la porte en fer? Est-ce que vous essayez de défoncer la porte en bois? Ou est-ce que vous utilisez la scie sauteuse sur la porte en bois? Est-ce que vous tentez de faire un bélier en coupant la table afin d'enfoncer la porte en fer? D'enfoncer la porte en fer, je cherche un quatrième choix, merci infiniment. Voilà, c'est basiquement, t'as littéralement deux objets dans la salle qui t'ont clairement été identifiés par le MJ comme étant deux objets utilisables. T'as deux problèmes qui sont posés, et tu dois trouver un moyen d'utiliser ces deux objets-là, il n'y en a pas de troisième, pour résoudre tes problèmes. Ça peut avoir son intérêt. Ouais, vas-y, Cobra. Est-ce que la porte est verrouillée? Est-ce que la porte est verrouillée? Bonne question. Mais ouais, voilà, typiquement, c'est un peu le degré zéro, on va dire, du JDR, c'est-à-dire que c'est plus, genre, c'est pas vraiment du jeu de rôle, c'est plus sur le thème des, tu sais, les aventures que tu joues toi-même, les fameux livres dont vous êtes le héros, toute cette collection qui date des années, genre, 80-90, qui commence à être très vieille maintenant, mmh. Où, en fait, c'est pas vraiment du jeu de rôle, parce que c'est très limité, c'est-à-dire que t'as un problème, t'as un choix de solution que tu peux essayer de mettre en place, et on va te dire si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Mais basiquement, tu reviens à choisir entre la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D, quoi. Et ça, je vais juste finir là-dessus, ça peut avoir son intérêt, je pense, selon le type de groupe. C'est-à-dire qu'un groupe qui est très peu imaginatif et qui est plus, par exemple, on va dire, branché soit combat, soit vraiment juste discussion RP, va être très heureux d'avoir à faire juste un choix A, B, C ou D, et on avance. Et du coup, de la description sèche à la Emmanuel Kant, tu vois, vraiment, où genre, vous rentrez dans la pièce, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et maintenant, débrouillez-vous, ça leur ira très bien. Mais je pense pas que ce soit le groupe moyen, honnêtement. Ouais, je pense que la plupart, malgré tout, ont une tendance assez littéraire. Même si, après, bon, on est quand même un bon groupe de scientifiques pour beaucoup, je pense, ici. Malgré tout, la plupart de ceux que j'ai croisés qui étaient intéressés par le JDR, moi aussi je t'aime Adriel, la plupart étaient quand même... Pas tous être parfaits, hein. Ouais. Non, malheureusement. Il a ses défauts aussi, bon, on l'aime bien quand même. donc ouais, avoir des descriptions au moins minimales me semble nécessaire. Je sais pas, moi je suis un connard sur mes descriptions, c'est peut-être pour ça qu'elles sont de mauvaise qualité. Un peu comme moi en tant que MJ. Hein. Non, je trouve que Tiano est une très grande qualité. Mais. En vrai, non, ouais. Ouais, bref. Moi, ce que je fais généralement quand je dois préparer une description, en fait, c'est quand je commence à faire les maps et tout, je me fous dans la salle. Genre, je ferme les yeux, je me fous dans la salle. J'essaye d'imaginer déjà comment je vois la scène, donc par exemple deux prêtres alcooliques pour ceux qui ont fait un certain OS, dont un qui est en fait en coma éthylique et l'autre qui dit à son
qui dit à un autre moine d'aller chercher de l'alcool pour le réveiller parce que là il risque de se prendre une sacrée crève. Une sacrée crève et que du coup en fait c'est dangereux pour sa santé de le laisser au soleil alors qu'en réalité le gars il doit avoir 4 grammes dans le sang minimum. Voilà. Et du coup à côté de ça qu'est-ce que je me dis? Je me dis bah du coup ça veut dire qu'à ce moment-là il doit faire chaud. Derrière il y a forcément des barils d'alcool déjà sortis. Peut-être une chope entre les mains du gars qui s'est évanoui contre son pilier au soleil en faisant la sieste qu'il n'aurait pas dû. Et je commence à me la représenter dans tous ces détails jusqu'au moment où en fait je peux presque la toucher. Et une fois que j'ai vraiment cette image en tête, je vais commencer à faire une première description sonore de comment moi je l'ai vu quand j'ai débarqué dans cette salle. Et à partir de là, si mes joueurs ont des questions, ils peuvent explorer la pièce vraiment. Mais c'est vraiment un but d'abord d'ambiance et d'usage, de quels sont les éléments importants qui marquent vraiment l'endroit. Et puis après, le dégradé, c'est pour les joueurs quoi, de chercher. Ouais. Bah après, justement, bah, parfait, on va faire la transition avec ça tout de suite. Sur les maps. Parce que, sur les maps, c'est une question qui est assez ancienne chez moi. À quel point tu peux utiliser, en fait, la map peut supplanter la description. Et tu peux utiliser la map comme un moyen de ne pas avoir à décrire. Parce que ça, c'était quelque chose qui avait été évoqué par mon premier MJ, celui qui m'a formé, en fait, à la base. Et qui me disait, justement, que lui, il essayait d'avoir les cartes les plus précises possibles et les plus représentatives possibles de la scène. Pour, justement, rentrer dans un grand niveau de détail sur sa carte et avoir quasiment aucune description à faire, et c'est-à-dire vraiment se limiter à dire bah voilà, vous rentrez dans une taverne, il y a beaucoup d'ambiance, de la musique, et derrière t'as ta carte de taverne avec tous les PNJ qui sont placés, tous les plats, dont les compositions des plats visibles sur les tables, tous les outils, tous les ustensiles de cuisine, toutes les bouteilles qui sont bien visibles absolument partout sur la carte quoi. Et si t'as un combat qui éclate dans le bar, t'as absolument aucune description à ajouter, les joueurs, eux, ne peuvent rien inventer, puisque soit c'est sur la carte et c'est présent, soit ça n'est pas sur la carte et ça n'existe pas. À quel point, donc, du coup, dernier sujet, c'était dommage qu'on ait pas Trusu, parce que c'est un sujet qui l'intéressait, mais tant pis, il pourra reprendre le stream plus tard. À quel point est-ce que mettre des illustrations, alors des cartes, des artworks, des images vraiment précises de tes PNJ, ça va servir ou desservir ta table? À quel point est-ce que, justement, empêcher tes joueurs d'ajouter des choses par leur imagination, ça peut te favoriser ou te défavoriser? Alors, je vais faire le retour de Jean-Michel Comptable, mais cette fois-ci avec des lunettes. Oh, merci. Par contre, merde. Mets-le. Attends, comme ça, s'il te plaît. Je sais pas mettre des lunettes, mec. Non, mais tu le mets au bout. Au bout, ok. Voilà. Alors, les enfants. Non, c'est vraiment pas le personnage que vous vouliez inviter. Pas Jean-Michel Comptable, non. Voilà. Avant d'être un joueur digital de JDR, j'étais un joueur de JDR physique. Et du coup, j'ai plein de cartons. Ce qui permet, du coup, d'avoir des cartes absolument exactes. Et encore, là, je trouve que souvent, ça m'a desservi, parce que du coup, par exemple, quand quelqu'un veut choper une chope pour la mettre sur la gueule de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Maintenant, que je suis en digital, et que je ne suis juste un voleur, parce que je n'ai aucun talent en digital, autant Elédril fait des très très belles maps bien créées, etc., il se fait follow par l'admin d'Incarnet, tout ça... Autant, moi je commence à faire une map et là tu te dis putain mais qu'est-ce qui a chié sur mon PC. voilà. Donc à partir de là, ce qui se passe c'est très rapide, c'est que je vole et que du coup je fais avec ce que je peux. Donc je prends des cartes aussi génériques que je peux pour la situation et je compense ça en rajoutant justement des descriptions supplémentaires pour essayer de refaire coller le truc dans mon setting. À partir duquel les joueurs peuvent s'amuser, sachant que bien entendu, plus tu considères que tu es précis et donc exact, ouais, moins il y a de marge de manœuvre pour l'imaginaire, et moins tu l'es, plus ça devient le théâtre de l'imaginaire, et là, faut t'accrocher, parce que par exemple, de temps en temps, les drills me font encore mal à mon maître. On va quand même pas en parler. Alors, à chaque fois. Écoutez, monsieur. Ah non, c'est Jean-Michel Comptable, il est revenu. Voilà. Moi en vrai j'aime bien laisser pas mal de place à l'imaginaire, déjà parce que je suis un connard et que je suis un flemmard, du coup faire des descriptions c'est chiant, mais en plus parce que j'aime beaucoup laisser mes joueurs me surprendre par une idée, et du coup ne pas trop décrire, ça me rassure dans le fait que je suis un bon flemmard et en plus que mes joueurs sont intéressés.
parfois. Ouais, parce que... c'est vrai que le problème de faire des cartes aussi précises que possible, c'est que ça bouffe un temps qui est incroyable. Hein. Apparemment, une certaine carte d'un MJ ici a pris plus d'une journée la dernière fois. Mais c'est un problème, mais en même temps, c'est pas le plus important. Je pense que le plus galère, plus la carte est précise, en fait, et plus ça te rend, comment dire, comptable de ce qui... comptable de ce qu'il y a sur la carte. C'est-à-dire que si une carte est vague, tu peux dire à la rigueur que, genre, je sais pas si y a un rocher là, mais en fait, il n'existe pas, tu vois. Si par contre, dans ta carte, il y a vraiment tout qui est bien détaillé, et toi, tu réassures tes joueurs dans le fait que tout est vraiment sur la carte, ben, s'il y a une truite qui se situe dans un verre, et ben, la truite est dans un verre. Voilà. Et du coup, ça peut poser le principal problème que je vois. C'est pas idiot. Mais du coup, derrière, ça veut dire que c'est plus difficile de corriger tes propres erreurs là-dessus. Et j'ai un autre truc à dire, mais je l'ai oublié, je crois. Non, mais... moi je suis intrigué par la truite dans un verre, parce que je me dis que chacun ses recettes de soupe de poisson, mais... J'ai envie de dire, la bière naine est excellente. On pourra vous expliquer la recette en off. Non, mais t'as absolument... T'as absolument raison, le fait est qu'effectivement, plus ta map est exacte, plus t'es obligé de vivre avec les merdes que t'as mis dessus. Et après, parfois, le pire, moi, dans ce genre de cas, je vais même pousser un peu plus loin, et il y a des joueurs, justement, qui ont confiance en ça, et qui te posent pas la question. Ouais. Je me rappelle d'une bataille sur le pont contre une barre de bandits, avant que, quand Crystal était un mage-wear, avant que ma campagne s'écroule, a dansé devant des flèches. Où je me rappelle qu'il y avait eu des gens qui avaient fait des contours beaucoup plus grands que j'avais anticipé par rapport au déplacement, parce qu'ils avaient considéré que certains rochers du décor étaient du coup du terrain trop difficile pour pouvoir être traversé. Et je vois qu'au grand mot, les grands moyens, n'est-ce pas, Flune? Voilà, le grand mal, c'est sûr que... écoutez, je vous propose toujours des deals contre vos âmes, je suis relativement honnête. Alors, je rappelle que ces alliés, j'en prends 15%. Relativement est important. Non, mais je suis sûr que je peux faire un deal avec ces alliés sur l'âme de Kirelia. Alors, est-ce qu'elle en a encore une? Ça va être toute la question de la campagne, je pense. Oui, mais c'est pas mon problème. Ça va peut-être le devenir beaucoup plus tôt que tu ne penses. J'aurais dû faire Kirelia rouge, j'aurais tellement pas eu de proie là toute la campagne. Oh mon dieu, non. Dire que Flune, tu m'as trahi, quoi. Je m'attends toujours à ce que les conneries elles viennent de ma droite, mais ce soir elles sont venues d'en bas. Moi j'en suis très heureux d'avoir continué la corruption. Il se répand. Je t'ai attaqué de front au lieu de sur le côté. Alors, justement, dernier sujet, toujours là-dessus, qui pourra peut-être intéresser les MJ aussi dans le chat si on en a, la question des combats sans map. Parce que. Justement, comme on disait, en fait, plus la map elle va être floue déjà, et moins tu vas être dépendant de la map, plus les joueurs vont pouvoir en fait être maîtres de ce qui se passe, être originaux, ajouter des choses, vraiment mettre un peu d'eux dans ton combat. Mais du coup, si on n'a pas de map du tout, et comme ça, on va revenir à la fameuse question de la fameuse course-poursuite non prévue sans map, sans règles, sans rien du tout, qui était improvisé dans le chaos et la douleur la plus totale chez moi, et j'en suis encore désolé. Jean-Michel Comptable est revenu. Fabien, bonjour. Alors, je pars du principe que ça te consomme 2000 points à chaque fois que tu mets ses lunettes, Rectosis, pour intervenir. Non, ça consomme une inspiration d'indique, comme s'il en aura plus. Non, ils vont juste le remettre, ça sert à rien. Oh, merde. Non mais ouais, blague à part, les combats course-poursuite sans carte, où là justement tu vas faire énormément de descriptions, à quel point, selon vous, c'est un modèle qui est viable? Pour peu que tes joueurs soient réussis à s'investir un peu. Ça dépend du combat. Pour le combat, du coup, tu peux plus du tout prendre en compte tout ce qui est distance de déplacement. C'est trop compliqué. Et En fait, il faut... Supposons pour un joueur qui se bat à distance, ouais. Tu fais comment? Parce que ça veut dire que le gars, l'ennemi, faut qu'il se rapproche. Il a combien de... Par exemple, tu vas dire, je me place à 120 pieds de l'ennemi, et je tire. Non! Et non! Jean-Michel Cordial, vous avez une objection.
J'ai une objection. Alors, attendez. Alors non, la véritable formulation, pour éviter de faire mal à mon maître et à tous les contenus autour, et surtout pour éviter de recevoir des pieds dans le cul plutôt que sur un terrain, il est important de dire « je me mets à portée de l'ennemi et je tire ». Et du coup, on te pose la question « mais c'est quoi ta portée ?» Et du coup, tu dis « ma portée, c'est 120 pieds ». Et si ta portée, c'est 120 pieds, bah peut-être que t'es déjà à portée, t'étais juste pas au courant. Mais du coup, le MJ te mettra au courant et du coup, toi, tu te diras « je suis environ à 120 pieds ». Ou alors t'en as 60 et t'avais pas prévu ça. Voilà. Et du coup, en fait, tu vas toujours te positionner relativement à d'autres individus. Et tu as d'autres indices. C'est-à-dire que par exemple, je me mets à portée de Counterspell. Donc je suis naturellement à 60 feet. Mais okay. Ça fait que du coup, ton MJ va dire, bah lui, il va reculer, il va avancer. Mais du coup, t'as déjà une mesure par rapport à cet ennemi-là de l'endroit où il est. Donc tu utilises en fait des points relatifs d'accrochage qui permet à tout le monde en fait de se dire, bah il y a deux tours, mon pote, il a dit qu'il était à 30 pieds. Moi, ça fait deux tours que je cours. Je dois être à 90 pieds de lui. Alors, ouais, je voulais juste réagir sur notamment ce que disait Cobra juste avant. Non, ok, vas-y. Non, Cobra, non. J'ai parlé de les autres bagues. Et comme ce que tu disais à l'instant, Actosis, le truc de D&D, c'est que c'est quand même un système de jeu de rôle où la distance et les obstacles, couverture, de manière générale, ont une importance qui est vraiment. Vraiment capital sur ton. Genre, je pensais c'est Traits de sorcier en français, Wishball par exemple, qui un sort qui dépend de la distance. Si jamais tu sors de la distance, ton sort s'interrompt et ça peut casser un peu ton jeu là-dessus. Donc pour moi, un combat sans carte, il y a deux issues possibles. Soit en fait, au cours de l'action, l'ennemi meurt, soit au cours de l'action, alors, soit l'équipe meurt, ou soit l'enjeu crucial pour lequel le combat a eu lieu est révélé. Typiquement, en course-poursuite, j'en ai déjà fait des trucs comme ça, où s'ils ont échoué, l'alerte est donnée, et tout le monde sait qu'ils sont là, et du coup, ça entraîne une pénalité sur le truc d'après. Ils vont sûrement mourir, mais ça, on s'en moque, c'est pas censé être un combat vraiment capital plus que ça, en fait. C'est vraiment... c'est généralement pas contre un boss, c'est généralement contre des pélos. Et c'est vraiment cette dynamique de... Et ça doit être trop rapide pour que les distances aient un impact. Parce que si c'est trop long, ouais, tu vas avoir ce système de... Je vais mettre au sol, par exemple. Je vais me retirer, je vais mettre à couvert. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il est à côté? Est-ce que j'ai la tenaille? Est-ce que j'ai pas la tenaille? Après, ça, typiquement, c'est des informations que tu peux te demander aussi. Te dire, je vais me placer en tenaille avec mon pote par rapport à cet ennemi, quoi. Ouais, mais ça va faire commencer à faire beaucoup d'informations à conserver en même temps. Il y a beaucoup d'informations. Ouais, les autres bagues. Ouais, moi je vais le dire tout de suite. Je déteste vraiment les combats sans carte. Parce que quand je fais un combat, j'essaye toujours d'optimiser ce que je fais, de réfléchir, de jouer de la plus intelligente possible. Et pour ça, il me faut toujours tous les éléments. Et quand tu combats à l'aveugle, le peu que t'en sais, c'est ce que ton MJ t'a décrit, et tu vas pas passer ton tour à demander pendant 10 minutes, est-ce qu'il y a ça, ouais. Et alors qu'avec une carte, t'as tout accès, ou du moins t'as une grande partie de ce qu'il y a autour de toi, t'y as accès tout de suite. Ouais. Donc, et ça me permet déjà des prises de décision bien plus rapides, et surtout des décisions qui sont du coup bien plus efficaces du coup pour les combats. Okay. Et un autre truc que j'ai rajouté, c'est que et un truc qu'on peut pas enlever à la carte, c'est que ça simplifie l'immersion grandement. T'as pas de lourdeur, tu sais où tu te trouves, t'as pas besoin que ton MJ te le dise, donc tu dis juste ce que tu fais et tu le montres sur la carte en déplaçant. Et il n'y a pas besoin de rappeler constamment où sont les ennemis, où est-ce que toi tu te positionnes, où sont tes alliés, etc. Et je trouve que ça fluidifie grandement les combats qui, déjà en D&D, ont une grande tendance à pouvoir durer longtemps. Moi je suis aussi, je pense à être à peu près de la vie de Flynn aussi, pour les combats extrêmement courts, qui sont censés être des combats éclairs ou d'introduction. Je crois que c'était dans Critical Role, où il y avait eu un seul exemple qui me vient en tête. En gros, c'est des gobelins qui sortent d'une grotte, et ils demandent comment vous gérez l'arrivée des gobelins. Tu balances une boule de feu dans le tas, ils sont tous morts, bien joué, tu vois.
Ils sont suffisamment au niveau pour se le permettre. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais la question, c'est pourquoi les combats sortaient de là ? Il y avait un truc qui arrivait derrière. Ils étaient en train de fuir, en fait. Mais toi, t'as claqué un spell slot. Et moi, je vais surtout revenir sur un autre truc, une autre image qui me fait penser à ça, parce qu'on a fait du combat sans carte. On a eu le pogrom. Vous savez, la fameuse fois où Kirelia a tué une gosse, qu'on lui rappelle à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est là. On a essayé de le rappeler, maintenant tu l'as rappelé à tout le monde, ils vont encore me le rappeler à chaque fois. Ah, je suis désolé, Kirelia, mais on parle, où t'avais tué la petite Annie au village. Et depuis, elle a un nom, parce qu'avant, Elidril s'était même pas fait la peine de lui donner un nom à ce truc-là, c'était juste pour faire chef lune. Maintenant, elle lui a donné un nom et une backstory. Ouais. Mais donc... J'adore créer des backstories de pages à des PNJ qui sont déjà morts, juste pour les pourrir. Par exemple, je comprends le point de vue d'un... Je comprends le point de vue d'un Zubdag qui dit « Moi, j'ai besoin de mon minimum d'informations, d'essayer d'optimiser ce que je peux. » De faire du combat propre, entre guillemets. Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a un moment où cette information devient trop. Par exemple, dans le cas des foules, va mettre une foule que tu dois déplacer en tant que MJ un par un, ou en mouvement de groupe, pour que ça reste dans les bons mouvements de couloir, etc. Genre par exemple, y a un combat dans Strad qui est un combat à 90. Il y a moi, eu mon truc dans Pokémon où j'ai juste pas représenté les trucs parce qu'en fait ça te noie l'information, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus qu'une énorme masse grouillante, dégueulasse, dans laquelle t'as raison de balancer des boules de feu. Ah non, je vais pas le sort, c'est vrai. Oupsi. Voilà. Ça, c'est un mage de niveau 5 sans boules de feu, vous vous rendez compte ? Après. C'est bon, apparemment, on a récupéré un vrai mage. La raison pour laquelle, à la fin du chapitre 2, justement, la fuite du village. On parlait Rectosis plutôt, le moment où Kirelia a accidentellement tué une fillette. Là, c'est pour ça que j'ai pas mis de map, parce que c'était un moment qui était prévu. Ça arrive à tout le monde. C'était prévu que ça parte un peu en couille, mais justement, comme il devait y avoir genre 50 pélos, c'était plus simple, je pense, de faire 100 cartes en vous disant que vous étiez petit à petit encerclé par les paysans qui se rassemblaient autour de votre chariot, plutôt que de faire une map avec 50 tokens quoi, autour de vous. Et alors, ensuite, sur un autre truc, on dit Pangola disait une image vaut mille mots, et je ne suis pas d'accord. Alors, parce pas que toujours, mais globalement, je suis d'accord. C'est qu'il y a des images en fait où, même avec le talent d'un Trujugal sous la main qui dessine extraordinairement bien, même avec des conditions, etc., tu ne pourras jamais reproduire l'horreur qui existe dans la tête de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que Coq. Ouais. Donc Toulouse, pour ceux qui n'y ont jamais, est un système de jeu où moi je m'étais plaint auprès d'Eledril après la dernière session que j'ai fait avec lui, parce qu'il m'avait fait une map de D&D. Parce qu'en fait, me représenter dans ma tête toute l'atrocité du monstre qu'il y a en face, les aspects dégueulasses, le fait que c'est un combat que je ne peux pas gagner, toutes ces sensations d'horreur qui sont des images qui s'imprègnent dans ton cerveau. C'est important, c'est un effet que tu peux rechercher. Et c'est ce qui fait que justement dans Coq, de manière générale, les gens jouent sans map. Par contre, je comprends que pour des combats habituels, justement, tu aies des maps. Mais l'autre problème du fait d'avoir tout le temps des maps pour les combats, c'est qu'en fait, ça veut dire que chaque map qui existe est souvent un combat réalisable dans l'esprit du joueur. Ce qui en fait va créer des options plus limitées au niveau de tes joueurs qui vont par exemple avoir moins l'habitude de fuir. Parce qu'après tout, tu leur as sorti une map, donc c'est-à-dire que tu t'attendais au combat. Comme tu t'attendais au combat, c'est-à-dire que t'étais sûrement sûr qu'il pouvait s'en sortir ou le gagner. Ouais, ça dépend après comment tu gères ta position, toi, TMJ. Quel était le TPG, je veux dire. TMJ. Faudrait faire limite un DM discussion là-dessus. Enfin, faut se rendre compte quand même que la fuite, c'est généralement pas une option préconisée. D'ailleurs, j'étais très heureux de voir qu'il y a eu une fuite à Candlekeep, et ils ont réussi avec des actions créatives à fuck un combat. Et tant mieux, ça leur a permis de survivre. Moi, j'en suis très heureux. Tu veux dire que même des rois, même des princes héritiers peuvent tomber au combat en refusant de fuir ? Ah mince. Non. je vois pas de quoi vous parlez, je suis pas en connaissance de cas. Tu veux dire que la fuite était possible ? Ah zut. Moi j'ai vu qu'un prétendant au trône, mais plus prétendant que prince. voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, sur le coup de foule, je considère pas les foules comme étant un vrai combat en fait. C'est plus une sorte de... C'est un peu le genre de cinématique au final, ou d'interaction que tu fais. C'est vraiment plus une interaction, je dirais, que véritablement
vas-y, finis. Un combat de manière classique où tu as deux camps qui sont très déterminés, avec des positions déterminées, dont la place va avoir une importance. Dans le cas d'une foule, et même, on pourrait dire, dans le cas d'une horde même, et ben, c'est plus tellement un combat classique tel qu'il est qu'il va être décrit dans les pages de D&D. Ça serait beaucoup trop long et ça serait beaucoup trop le jeu de le représenter, de ne pas le représenter comme une sorte d'interaction, mais vraiment en essayant de le faire règle après règle. Et ça revient d'ailleurs au premier sujet de discussion, c'est que dans ce cas, il ne faudrait pas appliquer les règles standards. Faudrait plus appliquer demander ce que veulent faire des joueurs dans leur globalité, mais pas leur demander des positions précises et des sens précises. Après, inversement, je suis d'accord globalement avec ce que tu dis. Après, les hordes, tu peux aussi les gérer comme un combat standard. Bah, typiquement, la fameuse horde de 90 là, dont parlait Rectosis là, dans Strahd, j'ai aussi sous le coude l'idée de faire un token de taille gigantesque pour les représenter, quoi. Non mais toi ça va, t'as de la chance dans ce truc là, c'est plus ou moins un carré la zone. Enfin, oui c'est ça. Genre, c'est que tu peux les faire bouger vraiment de manière uniforme. Ouais, c'est ça. Là où par exemple, genre si je prends Pokémon, bah il y avait des petits tunnels, il y avait des arches. Des ruelles, et là faut que tu segmentes justement des groupes. Clairement. Et c'est là que ça devient le bordel. Mais c'est vrai que ouais, là pour ça, un combat sans map est peut-être plus simple, je pense. Et plus fluide justement, parce qu'on parlait beaucoup de la fluidité du combat grâce à la map. Dans le cas d'une grosse horde qui se déplace dans des ruelles, les foules qui avancent et tout, ne pas avoir de map et de token à gérer, ça sera peut-être plus fluide. Je me rappelle d'un OS avec Rectosis, d'un sphinx beauf qui est en train d'affronter des hordes de zombies. Il s'appelait Simba, bordel, respecte-le. C'est pas Simbauf, c'est vraiment Simba. C'est vraiment Simba, j'avais fait exprès. Il y a des blagues, ouais, tu voulais dire. J'aimerais juste avoir deux, trois explications par rapport à un truc de Pokémon sur le combat de foule. C'est quoi qui s'est passé? Alors, spoiler, pour tous ceux qui n'ont pas vu Pokémon et qui comptent le regarder un jour, cette série d'OS fabuleuse, dans un monde plus dystopique que jamais vous en avez vu, ouvrez vos oreilles, je mettrai les lunettes de compta pour vous signaler que c'est bon. Dans l'OS Pokémon, à la fin, Mewtwo est libéré, car effectivement, la ville utopique où tout allait bien, en fait, est en train de faire des expériences sur les Pokémon, dans le but de créer un Pokémon capable de détruire tous les autres, et du coup, de domestiquer la population du reste des Pokémon. Mewtwo, comme dans le film numéro 1, a commencé à tuer toute la population, et sort d'ailleurs du complexe de laboratoire. Les joueurs, eux, par contre, commençaient déjà à avoir un plan de fuite pour essayer de se barrer de la ville au même moment, et tu arrives sur une énorme map, qui est basiquement proche de l'entrée, entre la place et l'entrée, sur laquelle théoriquement il y a une énorme foule qui est condensée, qui est en train de paniquer, qui est en train en fait d'essayer de fuir la présence de Mewtwo, qui est en train de tuer des gens par rayon de 100 pieds, si je prends le stat block. Donc toutes les 5 minutes, t'as genre 1000 personnes qui meurent sur place. C'est pas rien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un mélange entre une course-poursuite et un combat d'évacuation, sachant que moi, j'avais mal géré ça, puisque j'aurais dû les armer un peu plus, voire beaucoup plus, pour essayer justement, potentiellement, de gérer le Mewtwo. Et donc, du coup, c'était un combat avec, en théorie, une énorme foule, et du coup, c'était très très difficile à gérer pour moi, parce que justement, j'essayais de donner la notion de foule et une carte pour que eux puissent se repérer, parce que j'avais eu plus tôt dans cette série d'OS la complainte qu'en fait, il fallait plus de cartes ou des cartes au minimum pour que les gens puissent se repérer. Alors que j'avais pas prévu du tout un truc comme ça dans le scénar par rapport à ce que j'avais fait, et que je ne voulais pas modifier le scénar à ce point du truc. Voilà, ce qui était sûrement mon erreur. Enfin, une des erreurs que j'ai fait dans les OS Pokémon. Je mets les lunettes, vous pouvez revenir. D'accord. Parce que moi, en fait, en général, enfin, sur le peu d'expérience que j'ai en tant que MJ, quand je fais vraiment des combats ou du moins des affrontements qui ont plus vraiment des dimensions humaines, typiquement, ça m'est déjà arrivé de masteriser donc avec un groupe qui est dans une ville infestément vivant et qui doivent se réfugier dans l'église. Mais qui donc se font courser à travers toute la ville par des hordes et des hordes, du coup, de morts vivants. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends pas une map de ruelle, je prends juste la map
de la ville, en fait, avec les trajets, etc. Bon, plus de trois choses. Mais bref, un condensé du coup de la ville entière. Et après, ce qui se passe autour d'eux, je le décris, les combats, effectivement, ça va être du coup plus de la description, là, d'ailleurs. Et là, d'ailleurs, je ne fais pas vraiment jouer beaucoup les dés. Mais du coup, voilà, mais du coup, moi, ça compte pas vraiment dans la catégorie des combats, quoi, comme ça. Et du coup, je tiens quand même toujours à avoir une map, parce que c'est quand même important d'avoir un support. Parce que pour le coup, eux, ça leur permet de se guider dans la ville. Perso, je pense que je dois utiliser des maps dans 95% des cas. Après, les fois où j'utilise pas de map, un peu comme disait Flynn, ça va soit être les combats vraiment très courts. Souvent, le combat un peu improvisé ou le combat où je me dis que vous allez pas durer, ça va pas durer plus d'un tour, donc le placement est pas nécessaire. C'est-à-dire que chacun va faire son action et si à la fin le truc il est pas mort, c'est quand même un souci. Ou alors, les gros mouvements de foule, bah, type justement, Horde ou surtout, par exemple, si vous avez des mouvements enveloppants, une émeute paysanne, typiquement, c'est quelque chose sur lequel je vais pas mettre de carte parce que c'est plus quelque chose qui va se vivre, je pense. Une expérience que tu vas essayer de faire passer, et dans ce cas-là, je pense que la description sera plus efficace que l'image. Que une planification stratégique qui va nécessiter une map et des déplacements, en fait. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Rectosis, je prends ta réponse tout de suite, Zelbach, je vais juste finir. Sur l'horreur, notamment en Call of Cthulhu, je suis d'accord que ils assistent pas mal dedans dans le manuel du gardien d'ailleurs. C'est que de toute manière, l'horreur, c'est quelque chose que tu pourras toujours plus facilement faire imaginer à tes joueurs que de leur montrer. Même si, comme disait Rectosis, t'as le talent d'un Trusugal pour représenter l'indicible. Même si t'as une très très grande capacité littéraire pour dire l'indicible, suggérer l'horreur absolue à des gens et laisser leur esprit et leur expérience personnelle remplir le trou, c'est quelque chose, je pense, qui marchera toujours beaucoup mieux qu'une map ou un dessin, en fait. Et du coup, Eisenbach, tu voulais réagir. Oui, mais c'est du coup, pour revenir... Moi, dans tous les cas, je sais que j'ai tout le temps une map, mais si j'ai considéré en amont par la préparation que de toute manière c'était quelque chose qui se vivait mieux par la description, je vais quand même faire vivre le tout par une description, mais il y aura toujours un appui pour les choix, le côté un peu stratégie, d'avoir une map. Mais effectivement, la session dont je parlais, sur les 2 heures qu'on a fait, c'était 2 heures de description, ils me répondent ce qu'ils disent, etc. etc. et c'est une suite de conséquences, ouais. etc. C'est un bon point. Après, toi, ouais, t'es vraiment juste maître de D&D, on est d'accord. T'as pas eu l'occasion ouais, de toucher le système. Ouais, j'ai rien joué d'autre, d'ailleurs. Ça marche plutôt pas mal en D&D, parce que le système de jeu s'y prête bien, je trouve, à vraiment la map, le token à chaque fois, surtout pour les tokens. En termes de fantasy, t'as tellement d'artwork ultra stylé qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. En tant que MJ qui a vraiment commencé sur du Call of Cthulhu à l'origine et qui a été gardien un an avant de jamais toucher un D20, D20 pour moi là-bas c'était des dommages. Pour être précis. Et maintenant c'était décent les dommages. Alors inversement, maintenant décent pour moi c'est la table de Trinket, il n'y a plus rien. Comme quoi. Décent c'est la magie sauvage. Hein. Ah oui, la magie sauvage. Après, c'est vrai que j'ai eu un mage sauvage une fois sur une partie qui a dû tirer dessus 3 fois, je crois. C'était Flune. 2 fois même, je crois. Non, mais t'as tiré dessus qu'une seule fois, je crois. Et c'était la meilleure. Donc c'était avant qu'il joue Kiri qui faisait pas de crit, c'est ça ? Ouais, il a tiré une fois sur sa table de magie sauvage sur le boss final de la campagne 1 et il s'est transformé en chèvre. Ouais. Il a joué à un d'ailleurs. Yep. Longue histoire. Bref. Mon problème, en fait, en Call of Cthulhu, pour les maps, c'est un peu... je rejoins Rectosis, j'ai toujours du mal, même si maintenant, bah, mes habitudes de mettre du donjon font que je mets des maps à la D&D sur Cthulhu pour permettre aux joueurs de mieux se positionner, plus facilement se représenter la scène, bah, un peu comme disait Bag. Je pense que c'est plus simple et plus fluide pour tout le monde. Mon gros problème, quand il m'arrive encore de faire des Call of Cthulhu, et du coup, quand on va venir à la campagne qui aura lieu cet été, c'est pour les tokens. Parce que
toutes les entités lovecraftiennes sont par définition le comble de l'horreur, des choses que tu peux même pas décrire. Et les alors Lovecraft lui-même, comme tous ses successeurs dans le genre, décrivent très rarement les créatures. En général, t'as quelques formes qui sont décrites, éventuellement des odeurs, éventuellement des débuts de bruit, mais t'as jamais un portrait de la créature qui est donné. C'est toujours... Imaginez, t'en fous. C'est ça. C'est toujours un sentiment. On dit toujours, bah, la simple vue de cette créature a fait rentrer le mec dans un état catatonique dont il est pas sorti pendant 3 mois, et après, il a plus jamais voulu en parler. Et on va juste dire, moi j'étais... bah, typiquement, c'est... Merde. At the Mountains of Madness, à la fin... T'as un des deux passagers de l'avion qui voit une forme dans le lointain, à laquelle le pilote de l'avion, que le pilote de l'avion va juste croire entrevoir pendant une fraction de seconde, que son esprit va bloquer instantanément et qui va être décrire comme une sorte de tache noire protéiforme qui contrastait sur la neige, et ça s'arrête là. Et c'est mon problème du coup quand, bah du coup en Call of Cthulhu, tu vas chercher des maps et surtout chercher des tokens, c'est que je prends quoi. Typiquement, tu vas chercher une illustration Shoggoth, ce sera pas très agréable, mais ça va rester de la mélasse avec des bouches dessus. Et la confiture, ça fait pas peur. Normalement. Alors, même avec des bouches. Terrifiant. Du but des confitures, ce que je veux dire, c'est que même par exemple, typiquement les slimes, même les slimes, les entités protéiformes dans D&D, c'est donc une espèce de créatures visqueuses, tentaculaires qui peuvent s'infiltrer partout, dissoudre ton équipement, t'absorber et tout, ça reste basiquement de la gelée anglaise colorée, vaguement tentaculaire sur les bords. C'est mignon, ça fait peur à personne, et t'as jamais aucune entité de Call of Cthulhu, aussi bon soit l'artiste, qui puisse, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vraiment te donner un haut-le-cœur. Ce que sont censées faire toutes les entités de Call of Cthulhu, en fait. Toutes les entités de Lovecraft. Je pense pouvoir dire avec fierté que j'ai réussi à faire peur à des gens avec un slime. Alors, c'est pas exactement qu'il change, qu'il peut prendre n'importe quelle apparence, c'est qu'elle change en permanence de forme, dont la forme est fluctuante. Je vais revenir aussi à ce que dit Gibbs. Tu me corrigeras en m'insultant dans le chat sur la prononciation. Donc, insulte-le. Même s'il a dit bon. Si tu as 100 maps, trop de possibilités, ça te permet d'orienter l'approche de départ, etc. Mmh. Bah en fait non, ça c'est à toi dans ta description de modifier justement l'approche de départ. En fait, c'est les plots de départ de cette rencontre. Tu rentres à l'intérieur du château, la herse s'abaisse, à ce moment-là un chevalier noir avance sur le pont duquel vous êtes isolé et vous n'avez plus de retour. S'ils veulent fuir, ok, mais c'est dans le ravin du château et bonne chance pour nager en armure lourde. Donc en fait, faut que toi tu mettes juste en place, enfin que tu comprennes le minimum d'éléments à faire pour voir quelles sont les approches que tu vas vouloir donner à cette rencontre. Parfois, ça peut être justement pour contourner un garde à moitié somnolent et en train de regarder le clair de lune désespéré de ses 4 dernières heures de ses 4 dernières heures de vigie. Il fait froid, il se frotte les mains. À ce moment-là, vous commencez à le voir, à l'apercevoir en train de mettre une bûche au feu qui lui sert de réchaud à travers sa nuit solitaire au milieu de la neige. Il s'assoit sur une chaise en contemplant le feu et graduellement, vous voyez ses paupières s'abaisser. Là, tu vas pas dire « Ouais, ouais, c'est le moment !» Tu peux le surprendre et l'attaquer. Mais tu vas plutôt dire « Écoute, il est en train de dormir à moitié, il a l'air somnolent, il va pas trop faire gaffe, on va contourner ce truc-là, ça va pas être compliqué. » Et tu vas justement, par ta description, mettre en place la manière dont il est attendu et guider ton joueur pour aller à la résolution. Voilà, voilà. Ça, c'est mon point de vue. Après, je sais aussi que des joueurs comme Zubdag et beaucoup de joueurs, en fait, qui sont exclusivement D&D, en tout cas, ont énormément de mal, voire même parfois des incapacités à jouer sans map. Alors que moi, tu me sors ma série de dés, parce que j'ai d'abord appris en étant très très cheap, entre des cours d'histoire, etc., à faire du D&D, donc c'était sur une feuille, sur une double page, avec des tokens de stratégos, pour ceux qui connaissent le jeu, qu'on avait représenté les combats, et puis quand on n'avait pas, bah on n'avait pas, on faisait 100. Et après j'ai fait du Cthulhu, récemment j'ai fait du Honey Heist. Et même là, je mets encore des maps de temps en temps pour que ça serve de repère, mais globalement, la situation, j'ai l'habitude et j'ai une assez grande facilité à la faire sans map. Bah, justement, juste pour... Après, moi, je suis toujours très partagé, j'aime énormément les maps, il y a 2-3 trucs pour lesquels je trouve que c'est pas forcément la panacée, c'est-à-dire la solution absolue. Mais là, ce que dit Pangola dans le chat, qui est dit comme blague, je trouve ça vachement intéressant. Pangola qui dit, un slime, le truc qui digère vivant lentement, douloureusement...
Tandis que tu t'étouffes en sentant tes poumons se dissoudre et le tout sous le regard médusé de tes coéquipiers. C'est typiquement un truc que tu réussis là très bien à faire passer à l'écrit et je pense que tu réussiras jamais à transmettre dans aucune image de gelée verte, en fait, qui est en train de ramper sur le sol. Oh que si. Ah mais d'ailleurs, celle de D&D, c'est la pire, hein. Celle de D&D, t'as trois ossements tout pourris, complètement dissous. Là où, par exemple, je crois que c'est dans 3.5, où t'as un mec encore à moitié vivant, t'as le regard horrifié figé dans la gelée. Qui te regarde et qui te fait face et tu vas au fond de ses yeux. Bah, typiquement, en fait, Après ça, tu parles du cube. Ouais. Tu parles du cube, ouais. Cube gélatineux, ouais. Typiquement, le cube gélatineux, c'est un truc qui est toujours représenté avec des vieux morceaux d'ordures et des vieux morceaux de squelette qui a bien mérité, on va dire, son nom de Dungeon Roomba, quoi. C'est littéralement le truc le plus mignon, je trouve, du bestiaire avec le flump. Et pourtant, c'est justement le slime de D&D. Et ce machin a des mécaniques qui sont terrifiantes, pour le coup. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, un cube gélatineux, le simple fait qu'il passe sur ta casse, il t'absorbe en fait. Un groupe de level 9 peut très bien se faire défoncer. Non, ça c'est ton groupe de level 9. ça a été dit. Zedbag va intervenir. Ouais, et c'est pour. En fait. Enfin. Même, ok, je suis d'accord, effectivement, aucun token ne peut représenter l'horreur d'un slime. Ou de n'importe quelle créature de Cthulhu, etc. Ouais. Parce que même si j'ai jamais joué à Coq, j'ai quand même lu un peu de littérature Lovecraftienne. Je suis d'accord, aucune image ne peut décrire ça, mais c'est pas le but pour moi de la carte. Ouais. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Le but de la carte, elle est vraiment là pour ce qui va être. C'est juste un résumé d'informations complémentaires qui peut être plus ou moins important en fonction de la situation. Tout ce qui va être, tout ce qui va être des sentiments en général, de la description sensorielle, de toute manière, ça va passer à l'oral et c'est tout aussi important, voire bien plus important en fonction de la situation. Et moi je suis partisan de tout le temps mettre une map, mais bien sûr des fois elle est complètement secondaire et il faut bien s'axer sur les descriptions du coup. Non mais on doit pouvoir s'en détacher. Si tu combats un slime, il faut quand même à l'endroit où tu le combats. Mais le fait qu'il vient de te bouffer un bras et que petit à petit tu as vu ta peau se calciner, puis se dissoudre, alors au prix de tous tes efforts, tu as réussi à sortir ton bras, mais tu ne vois maintenant plus que ta chair à moitié rouge et à moitié noire. Bah ça, tu vois pas sur le token, forcément, c'est toi qui le dis, quoi. Oui, bien sûr. Mais non, mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Le but de ça, je pense, c'est vraiment de dire que la carte, elle a ses avantages, les tokens, ils ont leurs avantages stratégiques, tactiques, comme tu dis. Moi, je reste fondamentalement MJ de carte. Je ne vois pas vous proposer des séances de combat où je vous dis, à partir de maintenant, c'est combat sans carte. Je sais qu'il y a des MJ qui font ça, il y a des MJ qui disent combat sans carte. Il y a même des MJ qui disent, c'est combat sans micro, tu vois. On fait tout à l'écrit. Mais oui, t'as des MJ qui te font, moi je fais pas de carte, ou je vais pas chercher de carte, et on fait tout à l'oral, absolument tout. Par exemple, ce que disait Buisset dans le chat, de temps en temps, si vraiment c'est compliqué, ils demandent à leur MJ de tracer vaguement 3 rochers et 4 murs sur une feuille A4, et ça leur suffit, tu vois. Parce qu'ils sont habitués à fonctionner comme ça, que c'est un fonctionnement qui leur va, qu'ils ont réussi à rendre ça fluide, et j'ai envie de dire tant mieux. Le combat sans carte, je pense qu'il a vraiment ses intérêts. Notamment en termes de description, pour faire vivre éventuellement la violence du combat, faire vivre l'horreur des ennemis, certains enjeux, ce sera plus facile sans carte qu'avec une carte avec des tokens, parce qu'en fait, t'as des choses qui sont déjà données à tes joueurs, et tout ce que tu vas donner à tes joueurs, de fait, c'est des trucs que tes joueurs pourront pas prendre autour d'eux. Mais après, je reste globalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans le combat, c'est vraiment l'approche tactique, donc les placements, les couvertures, les tenailles, les portées, les angles de vue. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi en combat. Je pense que pour toi aussi, c'est pour ça que tous les deux, on est plus des MJ à carte, parce que c'est plus ça qu'on va valoriser. T'as vraiment un autre aspect du combat, comme Directosis, qui est vraiment de... Comment dire ? D'essayer de donner le moins d'infos possible pour ne pas noyer l'info et justement faire en sorte que tu puisses plus facilement laisser tes joueurs se représenter l'action, se représenter la violence du combat, l'horreur des créatures qu'ils sont en train d'affronter.
Et ça, du coup, ça va être des gros points forts, je pense, pour le combat sans carte. Je pense que le combat sans carte, c'est pas un truc qui est totalement fou, qui est totalement obsolète, tu vois. Je pense que c'est un truc qui, dans certains cas, et avec certains groupes, peut tout à fait avoir sa place. C'est pas un truc dont je suis fan, personnellement, mais je pense qu'il a ses avantages que le combat avec carte n'offre pas. Bah, ça va vraiment dépendre aussi, je pense, du système de jeu, d'ailleurs. Ouais. On parlait de Coq notamment qui fonctionne très bien sans. Enfin, qui peut fonctionner bien sans. Tulu peut très bien fonctionner parce qu'en plus, c'est des combats qui sont très simplifiés en vrai. Le combat est très simplifié et en fait, t'as pas de hit comparatif surtout. C'est-à-dire que ton jet de pistolet, c'est un jet perso, c'est pas toi contre le monstre. Mmh. Donc ça s'ajuste pas. Mais par contre, je rappelle quand même que Tulu à côté a la majorité des règles que tu retrouves dans D&D. À savoir que tu as une vitesse de déplacement, tu as un équipement, tu as tes points de vie, tu as ta barre de sanité. Fin... Après, ce que je veux dire, après la barre santé mentale, tu n'utilises pas trop en combat en général, plutôt après. Ça dépend. Moi, j'ai connu des gens qui utilisaient des monstres de traumatisme, qui sont là justement pour faire des atrocités à tes potes, pour que toi qui observes ça, en fait, prennes des dégâts. Mais ça, je veux dire, c'est un cas particulier de certaines créatures à la rigueur. En général, en combat, l'adrénaline fait que de toute façon la sane, tu vas l'appliquer après. Mais après, le truc, je suis d'accord avec toi, mais globalement, les options de combat, elles sont très réduites par rapport à D&D. C'est-à-dire qu'en Cthulhu, t'as le choix entre avancer, donc t'as ta vitesse de déplacement, avancer, reculer, tirer sur l'ennemi. Basiquement, ce que tu peux faire durant ton tour. Hein. Alors, comme je sais que toi, tu joues aux éditions françaises, quand tu dis avancer, se reculer, nous, on préfère c'est move, en fait, c'est se déplacer. Ouais, se déplacer, de manière générale. Et le truc, c'est que tu peux le faire de manière absolument chaotique dans Cthulhu, en théorie. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, tant que c'est à portée, tu peux le faire. Oui, mais je veux dire, ça reste se déplacer. Tu vois. Ouais. C'est pas 30 actions différentes, c'est une action qui est se déplacer, quelque soit la manière dont tu le gères. Donc se déplacer, attaquer, et à côté de ça, durant ton tour, durant le tour de l'ennemi, il y a deux trucs que tu peux faire en réaction, c'est contre-attaquer ou défendre. Mmh. Et basiquement, c'est les quatre trucs que tu peux faire en combat, donc tu le... De déplacer, attaquer, contre-attaquer, défendre. Et utiliser un objet à la rigueur numéro 5. T'as pas vraiment d'autres options. Voire même faire un toc pendant le combat... Oui, voilà, éventuellement demander un ou deux G, voilà, mais ça c'est un truc assez annexe. Par rapport à D&D, où justement tu vas éventuellement avoir la règle optionnelle de Tonight, tu vas avoir les questions de couverture, de les sorts, les zones d'effet de sorts et tout, ça c'est pas du tout des trucs. Non, bien sûr qu'en termes de complexité de combat, D&D est beaucoup plus travaillé. Il dépend beaucoup plus de ses. Bah, pour gagner un combat, tu dépends beaucoup plus de ses mécaniques. Genre, repense par exemple à la plupart des combats qu'on a fait, où rien que le combat avec les sangsues, pas les sangsues mais les tiques, les antiques, le faire sans cartes. Bah peut-être pas justement, peut-être que du coup on aurait été obligé de dire que Gwaedine était à portée de Kyrelia pour son cure wound. Après bon mais non, mais Gwaedine l'aurait pas fait plus. Gwaedine l'aurait pas fait plus. Non, c'est bon, ça a été dit. Okay. Mais donc voilà. Donc, mais bien sûr qu'en fait, chaque combat a son niveau et qu'il y a des. Enfin, une map, ça reste très pratique. Ça fait souvent gagner beaucoup de temps. Je dis pas non plus qu'il faut tout jouer sans map. Mmh. Et d'ailleurs, je vais dire aussi un autre truc. Je condamne à vue tous les connards Attention, disent qu'ils ne font sans map parce qu'ils n'ont pas une réserve infinie de map, alors qu'il existe un truc qui s'appelle Google sur lequel ils peuvent chercher, ou qu'ils peuvent juste prendre une ardoise et dessiner une merde dessus. Vous n'êtes que des connards, lâches, faibles, et bon à être abandonné. Ça y est, il a craqué psychologiquement, il s'était retenu. Nous tenons à rappeler que nous ne cautionnons plus cette personne. Nous ne cautionnons jamais cette personne. Ce n'est que le directeur. Malheureusement. Non, après, bah, un truc intéressant justement que j'ai vu passer tout à l'heure sur Discord Incarnate dans l'après-midi, un mec a posté une carte de Claire dans une forêt avec une cabane faite en 20 minutes, il a dit, qui était pas extraordinaire, mais qui était totalement passable, avec quelques effets lumineux, un peu de déco, et qui disait qu'il avait fait ça en 20 minutes, en fait, pendant un combat qui avait été fait purement à l'oral, parce que son MJ leur avait dit que il n'avait pas eu le temps de faire une map. En fait, il n'avait pas le temps de faire une map propre. Oh mon dieu, ce Z-Bag, il est fort. Oh mon dieu. Oui, du coup, qui disait voilà, qu'il n'avait pas eu le temps de faire une carte
pour le groupe, et que du coup, il avait pas non plus le temps d'être allé en chercher une, et que donc tout le combat aurait lieu à l'oral. Apparemment, ça avait été un peu le bordel durant la partie, parce que je pense qu'il devait pas être très expérimenté pour gérer ça à l'oral. Et son joueur pour troll, qui avait lancé son incarnet pendant le combat, qui avait fait en 20 minutes sa map avant de l'envoyer à son MJ, qu'il avait d'ailleurs traité de trou du cul, à en croire la légende. Mais voilà, pour la petite histoire, c'est vrai que même faire une carte en 2-2 avec un logiciel libre, ne serait-ce que pour placer des murs, ne serait-ce que pour placer les murs et les rochers, vraiment donc les obstacles de vue, c'est pas un truc qui doit limiter. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire du combat vocal, et c'est totalement légitime de faire du combat vocal, on l'a vu, il y a des raisons, il y a des vraies raisons de le faire, faut pas que « ah bah j'ai pas de map » soit une de ces raisons. Parce que ça, c'est jamais une raison valable. C'est ça, c'est faut que ça reste un choix, c'est-à-dire que si c'est parce que vous trouvez ça plus intéressant, c'est etc., certain. Que ce soit pas juste une décision de j'ai la flemme j'ai de la taper flemme. Mes trois mots-clés sur Google Search et d'aller prendre une map c'est qui ça. Ressemble, je dis pas qu'elle sera parfaitement, que ce sera vraiment ce que vous avez en tête, je dis qu'elle ressemble suffisamment pour être exploitable par vos joueurs, pour ceux qui ont besoin de map, et c'est la majorité des joueurs D&D. C'est le mot-clé de base. Vous mettez n'importe quoi avec Battle Map à côté. Oui, c'est ça. C'est que tu tapes D&D Forest Battle Map, tu vas trouver un truc et il n'y a pas vraiment de raison de dire je peux pas faire de map, donc on va le faire à l'oral. Quoi. Et je vais prendre un exemple de quelqu'un dans le chat qui est Critical Zone, qui est présent, qui est Kev. Kev, en ce moment, tous les dimanches, fait du Shadowrun. Shadowrun, de base, comme Call of Cthulhu, est considéré comme un style de combat où tu n'as pas besoin de map et c'est vraiment juste de la permission et du déplacement et de la gestion. Pour savoir à quel point tu vas pouvoir agir ou non, et c'est vraiment le choix du MJ, quoi. Et bah lui, justement, pour que les gens se représentent un minimum et que les gens soient un minimum à l'aise, fait systématiquement des maps. Du moins pour ce qu'il considère d'important. Et ça marche! Ça marche, ces joueurs sont confortables. Et ça les empêche pas de faire péter une roquette au milieu d'un diner. C'est ça. Voilà. Mais ouais, enfin, ouais. Tout ça pour conclure, je pense, sauf si vous avez des choses majeures à rajouter. Non, super. Que, de manière générale, les images, parce que ça restait le thème général hein, sur cette fin de soirée, tout ce qui va être artwork, images, map, vraiment pratique pour tous les joueurs déjà qui n'ont pas forcément une imagination débordante, parce que vous pouvez très bien jouer du JDR et pas forcément avoir une faculté d'imagination très 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 développée. C'est très bien comme ça. Donc bien pour que les gens se représentent les choses. Pratique aussi, est-ce que ça peut faire gagner du temps en description, le fait de pop un artwork du personnage qui ressemble vraiment à ce qu'on veut. Ça permet juste de dire 2-3 petites choses, il n'y a pas à faire 5 minutes de description du personnage, parce que ses vêtements, son apparence, ses cicatrices éventuelles, son équipement, sont visibles pour tout le monde sur le... Que ce soit sur Foundry, sur All20, ou en réalité, hein, si vous avez imprimé, par exemple, un artwork. Et côté map... C'est vachement pratique quand même pour déjà donner des petites pistes à tes joueurs sur comment ils pourraient interagir, par exemple une hache plantée dans un tronc d'arbre qu'ils peuvent ramasser, jeter un ennemi, leur permettre de se positionner de manière plus stratégique, de comprendre plus facilement et sans avoir à poser de questions qui est à portée de leur cône de froid par exemple. Mais inversement, comme on le voyait, il y a aussi certains intérêts à jouer sans cartes, notamment laisser l'imagination des joueurs combler le trou, se représenter les ennemis eux-mêmes et vraiment ajouter au combat tout ce qu'il pourrait vouloir. Par exemple, si t'as le truc de la hache dont je parlais, si t'as une map où t'as pas de hache plantée dans un tronc d'arbre, aucun joueur ira jamais te dire je prends cette hache qui n'est pas là, dans ce tronc d'arbre qui n'est pas là, pour la jeter au visage de la hache. C'est lui qui n'est pas là. Après cet ennemi qui lui est très là. Tu prends hache.png, tu fais un copier-coller dégueulasse, en plus il y a un petit peu de blanc, donc ça va vraiment refaire ressortir l'image sur ta carte dégueulasse. C'est ça. Et là, au moins, il a l'info. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Elle n'est pas là. Voilà, ton joueur, il n'y a pas... Si, en fait, de base, tu l'as pas sur la carte, t'as énormément de joueurs, c'est ce qu'on disait, qui vont simplement pas aller te demander, en fait, à ramener une hache et un tronc d'arbre. Tu vois, parce c'est que c'est pas sur la carte. Alors qu'inversement, si t'es vraiment en pur narratif, là, ce sera beaucoup plus facile pour tes joueurs d'aller dire, bah, je vais récupérer la hache qui est posée là sur la table dans la remise, et je la balance au visage de l'ennemi. Donc, t'as des points positifs. Perso, je reste... carte à 90% vraiment, sauf Horde ou grosse course poursuite qui va être très très galère à représenter en physique. Mais t'as des systèmes de jeu aussi qui s'y prêtent assez bien, donc Call of Cthulhu, Shadowrun également, je pense, sont plutôt propices à ce genre de choses. Oni Heist. Après Oni Heist, ouais, c'est des règles qui tiennent en une page et qui est pas forcément non plus très axé combat, donc pareil, ça s'y prête. Il y a plein de jeux de rôle qui s'y prêtent bien.
Mais dans tous les cas, c'est ce qu'on disait sur la fin, et ce sera peut-être le mot de la fin. Dans tous les cas, que ce soit carte ou combat en narratif, c'est un truc qui doit venir du MJ et du groupe, qui doit avoir l'accord du groupe, qui doit être un truc qui intéresse la table, et pas juste, ah bah, savez quoi, pour ma campagne de 100 épisodes, on va faire tous les combats en narratif, parce que oh, j'ai la flemme d'aller chercher les cartes. Voilà. Ça doit être un vrai choix de jeu, en fait. C'est genre, c'est particulier, le combat en vocal, et c'est quelque chose qui mérite d'être un choix de jeu à part entière, je pense. Comme le fait de jouer avec beaucoup d'artwork. Il y a aussi moyen de faire l'inverse, au lieu d'avoir une carte, enfin genre en gros, tu prends une carte, et tu fais ton combat en fonction de cette carte. Du coup, tu peux aussi faire ça. Si t'as pas d'image précise en tête, ou juste très vague, tu choisis une image qui correspond à peu près, et voilà. Je fais pareil pour certains PNJ, des fois. Oui, pareil, t'as certains PNJ qui me viennent d'artwork, parce que j'ai trouvé des artworks qui les représentaient mieux que j'aurais jamais pu les imaginer inversement. Tout à fait. Bien. Ben sur ce, il va me rester à remercier déjà vous 5 qui avez passé cette longue soirée avec moi, qui a été aussi longue que d'habitude, alors qu'elle devait être plus courte. Mais au final, bon, j'espère que ça vous a intéressé un petit peu. S'il y a les MJ qui sont dans le chat, car je sais qu'il y a des MJ ou de futurs MJ, j'espère que ça a pu répondre à des questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore. En tout cas, je remercie tous les gens qui nous ont suivis, je remercie les gens qui nous ont suivis, qui se sont abonnés ce soir. Je ne remercie pas les gens qui ont donné des inspirations bardiques à Tianor pour samedi. Toute gloire m'appartient. Voilà ce que vous avez fait. Voilà, vous savez que vous êtes en train de l'encourager en faisant ça. Vous le savez. Bah c'est le principe. Il m'inspire de nouveau. Ils pensent plus loin, ils disent à force de l'encourager, il va faire une connerie, il va se tuer dans l'action. Donc, allez. Même mes conneries sont en métal. Non mais le truc c'est que ça, il serait content de ça en fait. Parce que du coup là. Mais ouais, comme dit Pangola dans le chat, c'est comme les horror stories, c'est quelque chose pour lequel il faut avoir signé quoi, dans tous les cas. Alors sinon, il me reste du coup à vous dire, avant de vous souhaiter la bonne soirée. Tac. Déjà, il y a un salon, je pense, pour discuter des éventuelles trinkets à filer qui devraient s'ouvrir sur le Discord d'ici peu, donc je vais vous mettre le lien sur le chat. Que vous avez sinon de base sur la chaîne. Ah oui, il y a les droits des subs aussi dont on n'a pas parlé en début. Ah oui, bah vas-y Rectosy, je suis en train de taper ça. Alors, les droits des subs sur Discord, parce qu'on va vous rajouter plein de droits. Déjà, vous allez avoir une priorité d'inscription pour les OS. Ouais. Ça, c'est une première promesse. Vous allez pouvoir proposer des trinkets. Et pour les OS, vous allez aussi pouvoir choisir le nom des PNJ poireux. Et vous allez aussi pouvoir nous soumettre des propositions de sujets et une discussion. Et si vous pouviez soumettre Rectosis, mais ça c'est plus compliqué. Jamais. Vous êtes capable d'essayer. Mais si, il y a quelque chose. Games était là. Bah du coup officiellement Tianor a une inspi une inspiration bardique. Voilà. J'espère que vous êtes fiers de vous. Moi je suis très fier d'eux en tout cas. Bien joué à vous. Invraisemblable. J'espère juste que c'est pas pour frapper un allié ou torturer une demoiselle. Quoi que non, uniquement pour draguer les on a dit uniquement pour draguer les archifés pour l'instant. Les mamans. Ah ok. Et les mamans. Non. non, pas la mienne. Oh, c'est vrai qu'il y a des moules que je vais voir. Votre inspiration va être utilisée pour de bonnes fins. Mon hiver, c'est une femme pieuse, je tiens à le rappeler. C'est une femme pieuse, mariée. Ah, t'inquiète pas, je pense que Tianor a déjà été dans pas mal de couvents là. Non, mais c'est pas dans un couvent. Ah, bah disons que quand j'étais jeune, j'ai été plusieurs fois accusé d'être un patron démoniaque. Alors, disons que j'ai pris au sens propre l'expression de défroquer les nonnes. Alors, de toute façon, pour répondre à ce que dit Pangola dans le chat, gardez ses points pour lâcher. T'as disparu, Léa. Hey, je suis. Non, c'est bon. Gardez ses points pour lâcher un trinket broken au milieu d'un fight, de toute façon, ça peut pas arriver puisque les trinkets n'auront pas d'effet, comme on l'a dit, ce sera purement cosmétique, ce sera vraiment des choses d'esthétique, de RP pur, sans aucun effet, je vous le redis. Et de toute manière, ils les récupéreront quand ils seront contactés par un messager ou.
quand ils auront un chez eux, car c'est prévu quand ils rentreront chez eux, puisqu'ils auront une boîte personnelle à partir de ce moment-là. Ah là. Sur c'est ce... Quoi, déjà, c'est le manoir de Black. Merci à tous pour votre présence ce soir. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Avant ça... On se calme, monsieur. Vendredi soir, je rappelle, épisode 3... Alors, par contre, s'il pouvait parler, merci. Vendredi soir, épisode 3 de Curse of Strahd, 20h30, où ça va être un peu tendu, il peut fortement y avoir des morts, même si je les ai buffés, puisqu'ils sont maintenant niveau 2, au lieu du niveau 1 qui est prévu pour cette rencontre. Mais malgré ça, la létalité reste très élevée. Et samedi, 14h30, la suite de notre campagne, épisode 36, pour les retrouvailles avec Sébas et l'entrée à proprement parler sur le territoire du royaume de Ribeuf, qui vous réserve quelques surprises. Voilà. Non, je pense que tu vas te faire un peu secouer avec ton clerc, mais ça devrait être marrant. Moi, je pense que c'est surtout sa mère qui va se faire secouer. Non, c'est bon. Les mamans, les mamans. Allez, ce sera sur ces mots qu'on vous dit bonsoir. Dormez bien, prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, profitez de vos proches. Et à vendredi soir, j'espère. Ciao, ciao. Ciao, des bisous et de l'amour.